Ok. Donc, chers auditeurs, donc merci de nous avoir rejoints. Donc, vous nous suivez en direct sur YouTube. Donc, merci, merci beaucoup. Donc, je suis Sénid Alani, organisateur et animateur du webinaire Shikomori numérique et éducation, où en sommes-nous? Donc, nous allons essayer de faire ensemble un état des lieux de la situation autour du Shikomori avec nos invités que vous avez vus sur les affiches. Je vais d'abord prendre 10 à 15 minutes pour deux choses, présenter rapidement le réseau Comore Initiative et poser les bases du sujet du jour. Donc avant de commencer, bah, je ferai un appel au like, hein. Likez cette vidéo, partagez-la. Et bah, c'est en partie ce qui nous donne la force de continuer de travailler. Donc, vos likes et vos partages vont faire remonter la vidéo dans l'algorithme YouTube. C'est ce qui va aider ceux qui veulent agir pour les Comores à trouver ce contenu plus facilement. Donc maintenant, je vais présenter le réseau Comore Initiative. Donc nous sommes un think tank, soit un club de réflexion, de propositions, d'actions et un réseau qui met en relation des personnes issues des Comores et d'ailleurs. Universitaires, entrepreneurs, scolaires, professionnels et autres. Et donc tous ces individus ont en commun la volonté de contribuer à l'amélioration du niveau de vie des Comoriens, des Comoriennes et des Comoriens où qu'ils soient, et aussi de contribuer à l'amélioration socio-économique des Comores dans sa globalité. Et enfin, contribuer à nous rendre intelligents collectivement. Donc nous cherchons à comprendre finement la situation qui est la nôtre. Et nous voulons produire suffisamment d'idées pour combattre la répétition des mêmes erreurs, pour un avenir meilleur. Et pour ce faire, nous faisons des vidéos qui sont disponibles sur YouTube, donc partie émergée de notre iceberg. Nous faisons des notes d'analyse qui sont disponibles sur notre site web. Nous discutons dans les groupes WhatsApp, nous nous réunissons quand il n'y a pas de confinement, pour parler, échanger. Et depuis récemment, nous faisons des webinaires. Nous sommes à notre quatrième webinaire. Donc, nos membres sont répartis entre la France, le Sénégal et les Comores. Donc, par ailleurs, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ou dans le chat d'où vous nous écrivez. Ça nous fera plaisir. Donc, le Shikomori, donc la présentation du sujet, c'est le Shikomori, donc qui est une des trois langues officielles en Union des Comores. Donc, toutefois, elle reste vernaculaire et non véhiculaire. Donc la différence, la langue vernaculaire repose principalement sur l'oralité et la langue utilisée dans le domaine, c'est la langue utilisée dans le domaine culturel, coutumier et les échanges quotidiens de la population, alors que le français, la langue véhiculaire, est utilisée dans l'administration, dans la politique, dans l'enseignement, etc. Enfin, il y a aussi l'arabe, qui est une langue utilisée dans le cadre plus restreint, dans un cadre plus restreint. C'est le cadre religieux ou dans le cadre d'échanges commerciaux avec les pays arabophones, mais nous ne parlerons pas trop de l'arabe aujourd'hui. Donc, à ce jour, il y a un problème. Les langues shikomori ne sont pas standardisées. Ce qui, on le verra, est un obstacle pour l'éducation et pour l'entrée dans le monde numérique. Pendant longtemps, il y a eu un statu quo des politiques linguistiques. Alors que la langue est un enjeu majeur de développement. Donc, c'est des problèmes qui ont un impact sur le développement des zones dans lesquelles ces langues sont pratiquées. Donc, je fais juste un petit disclaimer. Donc, les Comoriens ne sont pas les seuls dans ce cas. Donc, je vous recommande d'ailleurs une très bonne vidéo YouTube sur la chaîne Afrophilo sur la diversité linguistique en Afrique. Et donc, dans les autres pays aussi, il y a des langues locales et majoritairement parlées, qui sont réduites à être utilisées uniquement dans les sphères culturelles. Donc voilà, ceci étant dit, on va voir ce qu'est une langue standardisée. Donc je ne vais pas chercher loin, nous allons aller sur Wikipédia. Share screen. Donc, hop, partager. Donc ici. Donc, on est bien sur notre page Wikipédia. Et donc, en fait, ce qu'on voit là tout en haut, c'est juste que ça dit que que la langue standard, c'est le fruit d'un processus appelé la normalisation linguistique. C'est l'élaboration et les recherches autour des règles orthographiques et grammaticales.
Donc en France, par exemple, c'est l'Académie française qui s'en charge. Ensuite, on va voir rapidement les caractéristiques typiques d'une langue standard. Enfin, je vous parle de tout ça parce que c'est important pour la suite. Je pense que c'est vraiment essentiel qu'on ait tous les mêmes bases. Donc, pour être une langue standard, il faut une orthographe unique et stable, ce qui est déjà le cas pour les langues shikomori, un dictionnaire, ce qui est déjà le cas aussi avec les travaux faits par ORELC, une grammaire prescriptive. Donc, monsieur, par exemple, monsieur Chamanga a fait des travaux dessus et écrit des livres dessus, peut-être qu'il nous en parlera après. Une prononciation considérée par les locuteurs comme correcte. On en discutera avec les experts. Une académie ou des associations. Donc, il y a l'association Chimay déjà à Mayotte et en Union des Comores. Donc, en termes d'académie, normalement, il y a quelque chose, il y a une actualité qui dit que c'est en train de se faire. Un statut légal. À Mayotte, c'est reconnu comme une langue régionale. Dans la constitution comorienne, il y a marqué que le comorien est une langue officielle, comme je disais au début. L'utilisation de la langue dans la vie publique, par exemple dans le système judiciaire et cadre législatif, malheureusement, je ne sais pas trop pour ce point, mais peut-être que nos experts pourront nous en parler. Sinon, bah, les gens qui vivent sur place, parmi nos spectateurs, pourront peut-être prendre la parole et nous en parler. Un canon littéraire, donc c'est une grande œuvre classique, j'en connais pas, peut-être que les experts en connaissent. Une traduction dans la langue des textes sacrés comme la Bible ou peut-être le Coran, à ma connaissance aussi, nous n'avons pas ça, mais peut-être que je me trompe. Donc l'enseignement à l'école de la grammaire et de l'orthographe, c'est une chose pour laquelle tous ceux qui sont réunis ici militent. Le choix de cette variété pour l'enseignement et bon, pour les deux derniers points, je vous avoue que je ne les ai pas trop totalement. Ok. Donc, arrêtez le partage. Hop. Donc voilà, on a vu rapidement ce qu'était une langue standardisée. Comme je disais, c'est une base à comprendre pour le reste de cette conférence. Je vais aussi parler de qu'est-ce que l'écrit en fait. Donc l'écrit, bon bah on sait tous, c'est un support. C'est le support, par exemple, de ma parole qui peut rester sans ma présence physique. Donc quand j'écris, j'externalise ma conscience sur un support extérieur que je peux partager. Donc vous me direz que c'est pareil que la photo et la vidéo en un sens. Toutefois, bah, pour l'écrit, il n'y a pas vraiment besoin d'électricité. Je peux prendre un morceau de bois, de la pierre, du papier, écrire et partager ça, externaliser ma mémoire et partager. Donc, sans l'écriture, la science de l'observation est limitée. Je vais prendre le cas des grands penseurs. S'ils n'avaient pas écrit, en fait, enfin, même pas des grands penseurs, par exemple, des comptables, ils ont besoin d'écrire, en fait, pour mémoriser. Mais par contre, par rapport aux penseurs, par exemple, le philosophe, sans écriture, il est difficile de capitaliser sur la pensée. Par exemple, pour préparer ce webinaire, il a fallu que d'autres personnes avant moi aient écrit, que je puisse lire ce qu'ils aient écrit pour pouvoir comprendre et à partir de là, faire quelque chose, entre guillemets, d'un peu plus, d'apporter ma pierre. Et ça, j'ai pu le faire sans leur présence physique, en fait. Ça, enfin, pour tout ce qui est de l'ordre de la transmission, ça peut se faire de manière orale. Toutefois, ça peut créer une sorte de phénomène clanique. Puis, il y a la nécessité que moi, je sois présent pour vous dire ce que j'ai à dire. Alors qu'avec l'écrit, je peux être absent, je peux être décédé, vous pourrez quand même lire ce que j'ai écrit. Donc, ne pas avoir de langue écrite et standardisée, c'est un obstacle déjà à l'éducation. Donc là, je vais citer vraiment que des extraits, enfin, je vais citer des extraits d'une note qui est sur notre site, qui a été rédigée par Sarah Ahmed. Donc, aucun enseignement ne se fait en shikomori, qui est pourtant la langue première des apprenants aux Comores. Ben, oui, il faut que la langue soit standardisée pour ça. L'apprentissage du shikomori n'est pas mis en pratique dans la vie scolaire pour permettre aux élèves, dès leur plus jeune âge, d'intégrer les concepts plus ou moins abstraits et encore moins de se les approprier. Cela a pour conséquence un certain retard scolaire. Eh bien oui, en fait, pour accéder à la connaissance, j'ai besoin de connaître le français. Donc j'ai une première barrière entre moi et la connaissance, barrière de la langue. Donc le français est la langue d'apprentissage à l'école, mais ne devient pas pour autant la langue maternelle. Cela joue grandement sur les résultats scolaires qui ne correspondent pas aux normes internationales. Bah ouais, bah chaque année, on le voit, on a de plus en plus de jeunes, on a de moins en moins de bacheliers en fait. Et de plus en plus de décrochage scolaire et on se retrouve avec des jeunes qui sont désœuvrés parfois. Donc après, par rapport au fait que l'enseignement se fasse en français, il y a un avantage. Il y a certains qui diront qu'il y a un avantage, mais moi je trouve quelque peu fallacieux. Après, les gens diront ce qu'ils ont envie.
enfin plus tard. Étant donné que le shikomori est une langue vernaculaire, on est amené à apprendre une autre langue. Dans notre cas, par exemple, le français ou l'anglais. Donc, on va dire d'un Comorien qui a une capacité cognitive à l'apprentissage d'une nouvelle langue, d'une nouvelle culture, qui va plus vite dans son intégration, dans un milieu différent. Mais en fait, c'est un fait général. On s'enrichit en parlant d'autres langues et on acquiert une certaine manière de penser. En plus, on nous dira aussi que la francophonie, c'est 300 millions de locuteurs dans le monde, que ça ouvre un grand horizon. C'est vrai, c'est vrai. Toutefois, si on veut renforcer notre identité pour qu'elle soit forte et solide, il est important d'être inclusif avec le shikomori et d'être important d'être inclusif avec nos langues et d'avoir la même soif, en fait, d'apprendre nos langues que le français ou l'anglais. Ne pas avoir une langue écrite et standardisée, c'est un frein aussi dans le monde numérique. C'est un point dont on va parler aussi avec nos experts. Beaucoup de ressources sont disponibles sur Internet. Être dans le numérique, c'est pouvoir les consulter, c'est pouvoir lire et communiquer dans sa langue, traduire sa langue vers une autre langue et inversement. Enfin, être dans le numérique, c'est par exemple aller dans Word, sur Facebook ou n'importe, écrire un bon shikomori sans qu'il y ait de petites vagues lettres rouges qui me disent que j'ai écrit n'importe quoi. C'est aussi, par exemple, aller sur son téléphone, qui est aujourd'hui en français, que je peux mettre aussi en anglais, en chinois, et que je pourrais, pourquoi pas, demain mettre en shikomori, dans une des langues du shikomori. C'est par exemple aussi rouler et avoir ses instructions de GPS en shikomori. Mais pour ça, en fait, pour ce faire, il faut qu'il y ait une masse critique. Et là encore, la langue doit être standardisée, telle qu'on l'a vu plus tôt. Et il doit exister beaucoup de ressources dans la dite langue. Il doit y avoir des gens motivés pour la traduire, pardon. Je vais prendre l'exemple, par exemple, du Swahili, qui est officiellement reconnu par Twitter depuis 2018. Et en fait, c'est parce que les locuteurs Swahili ont milité et ont demandé à ce que leur langue soit reconnue. Le Swahili est inscrit sur l'agenda de l'Union africaine comme étant, qui serait en 2063, la langue du continent. Je veux dire, derrière, il y a une politique, en fait. Après, c'est vrai que le Swahili, il y a 110 millions de locuteurs, mais si on prend des langues comme le luxembourgeois ou l'islandais, ce sont des langues qui sont présentes dans le monde numérique et qui ont beaucoup moins de locuteurs que nous, en fait. L'islandais, c'est 300 ou 400 000 locuteurs. Le luxembourgeois, c'est 600 000. Donc, nous tous réunis, on les dépasse. Donc, eux, ils sont présents sur le web et voilà, il y a la langue qui est standardisée, écrite. Enfin, moi, je pense que le numérique, c'est vraiment un virage à pas louper si on veut encore être là demain. Donc, d'où vient ce statu quo? Là, très brièvement, c'est la politique linguistique qui sont délicates à mettre en place pour différents motifs. Déjà, il y a le passé colonial, pas que pour nous, pour d'autres pays aussi, qui fait que nos langues ont été quelque peu, entre guillemets, peut-être mises à l'écart. Bon, peut-être qu'on détaillera ça plus tard. Donc, il y a aussi des divergences et des variantes entre des populations qui sont dans une même zone. Donc, peut-être qu'on peut avoir peur de pousser plus une langue que l'autre, peur qu'une variante prenne le dessus. Et en plus, par rapport aussi à la politique linguistique, cela a un coût financier qui est important, qui nécessite une vraie vision politique, un vrai intérêt, des campagnes de sensibilisation, des subventions, une synergie entre différents acteurs. Donc voilà. Bon, moi, je vais m'arrêter là. Donc en fait, ce webinaire suffira pas à traiter le sujet de long en large en travers. Toutefois, j'espère qu'il va au moins donner des pistes à suivre, qui va permettre aux gens aussi de discuter, d'échanger, de corriger. Donc c'est un atelier qui est diffusé en direct sur YouTube et qui sera visionnable gratuitement et de manière illimitée. Donc je termine mon introduction en disant ceci: le monde n'étant jamais tout blanc ou tout noir. Il faut se renseigner auprès d'experts pour obtenir les nuances de couleur. C'est avec eux qu'on peut entrer dans les nuances de gris et qu'on fait avancer les sujets. C'est pour cela que je vais laisser la parole au premier intervenant, Nasser, que je vais donc ajouter au stream. Ah zut. Donc j'ai vu que mon son était saccadé. J'espère que ça n'a pas été trop interrompu. Non, ça va, moi j'ai bien entendu ton introduction. Déjà, bonjour tout le monde, les personnes qui nous suivent.
Avant de me présenter par rapport à ce qu'on fait, notre équipe, je voulais juste passer un petit coucou à l'association Chimé pour le travail qu'ils font depuis des années. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé dans le projet ORLC depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Donc, je voulais juste leur faire un petit coucou. Et sinon, pour ceux qui nous connaissent pas, c'est un projet participatif qui s'appelle ORLC. L'acronyme, ça veut dire outils et ressources pour l'exploitation de la langue comorienne. Donc, on est chargé de développer ces outils numériques et ces ressources qui faciliteraient l'intégration de nos langues, de nos variétés dans l'espace numérique et même physique. Donc, c'est en gros, voilà, en gros ce qu'on fait. Pour que ça soit plus parlant, je vais présenter un peu la chose, partager mon écran. Partager l'écran pour monter un peu notre site. Dites-moi si vous voyez, vous voyez pas. Là, vous êtes sur le site. Sénis, tu peux me dire si c'est visible. Non, pas encore. Ah, ok, pas encore. Là, votre écran. Pas encore. Pourtant, ça me dit que c'est un partage. Ah oui, en effet, pardon, excuse-moi, oui, c'est en partie. C'est bon, ok. Donc là, vous êtes sur notre site, le premier site qu'on a développé pour le projet ORLC. Donc rapidement, les outils qu'on développe, par exemple, on a un dictionnaire où on enregistre tous les données, tous les termes comoriens, quelle que soit leur origine, leur dialecte. Par exemple, si je fais une recherche en français, je vais taper, je recherche, et on voit ici... les différentes façons de dire les dans Shimaoré, Shimoali, Shinzoni et Shingazidia. Et tout au long de nos ouvrages ou nos ressources ou dans nos espaces numériques, on a toujours ces symboles-là qui permettent rapidement aux personnes qui parcourent nos données ou les informations d'arriver à distinguer que ça c'est du Shingazidia, ça c'est du Shinzoni et ainsi de suite. Donc ça c'est par exemple le premier outil qu'on avait développé. Ça fait longtemps qu'on l'a développé, puis après on l'a repris sur ce projet-là. Donc peut-être on en reviendra plus tard. On a développé aussi un outil intéressant qu'on a fait bénéficier à certains professionnels partenaires. C'est notre éditeur de texte, ici par exemple. Ici, voilà, comme l'a souligné Séni au début dans l'introduction, on a ces problématiques-là où nos langues ne sont pas dans l'espace numérique. Du coup, on était contraint de développer notre propre outil pour notre propre travail d'abord et puis pour les partager à d'autres. Ensuite, par exemple, si je marque Nisifania Hazi, là, il va me proposer Nisifania Hazi. Voilà, Léo. Bam. Et il y a encore des bugs, vous pouvez le voir. Mais en gros, l'idée, voilà, c'est ce qu'on fait, c'est de développer ces outils numériques pour faciliter plus tard l'intégration de nos langues dans l'espace numérique, que ce soit dans les OS, les systèmes d'exploitation ou dans des logiciels externes. Voilà, donc là, on peut écrire en Shingazidia, Shinzoni, etc. Cet outil-là, il est relié à la base de données ORLC et d'où il récupère les ressources. Il y a une intelligence artificielle qui parcourt les données et qui essaie de sortir la bonne orthographe ou les bonnes traductions pour le traducteur, etc. Bon, on a d'autres outils, mais je ne vais pas les montrer. On a un conjugueur, on a des jeux, etc. Et voilà en gros ce qu'on fait, nous, par rapport à la langue, comment on contribue. Et je vais arrêter le partage. Arrêter le partage et revenir. Voilà. Donc voilà, en gros, nous, au RLC, comment on aborde la langue et notre participation dans le développement de la langue et son intégration dans l'espace numérique. Et oui, il y a des difficultés, beaucoup de difficultés sur l'espace numérique. Et nous sommes aussi d'accord que c'est un virage qu'il faut prendre, parce que si on le rate, ça va être difficile après de rattraper la chose. Je ne sais pas si je poursuis ou je continue la présentation.
Donc voilà pour ce qui est de RLC. Bah, comme tu le sens, merci déjà pour cette présentation. Je vais ajouter Monsieur Chamanga au stream peut-être, et puis ensuite j'ajouterai aussi Monsieur Spelorastami. Bonjour Monsieur Chamanga. Bon, bonjour tout le monde, également. Bon, je suis ravi déjà d'être là et de voir beaucoup de personnes que je n'ai pas vues depuis un certain temps, notamment M. Rastami qui était là, mais que je ne vois pas. Jean-Philippe Brandon, bon, je vois aussi Nassel, bon, tout le monde là, ça fait plaisir de voir tout le monde là. Juste une petite parenthèse peut-être par rapport à l'introduction. D'abord, il y avait une introduction plus ou moins écrite là où on n'entendait rien. Il y avait des expressions comoriennes qui étaient écrites. Et je vous laisse bon, faire juste une petite remarque, quoi, parce que bon, des gens comme vous qui vous intéressez à la langue, malheureusement, vous ne vous intéressez pas à la manière d'écrire le comorien. Et ça, c'est un peu dommage, je trouve. Et ce qui est grave, à mon avis, c'est que vous ne demandez même pas comment il faut écrire. Voilà. Bon, c'était juste une petite parenthèse, quoi. Parce que quand on voit des accents, des O, U, D, etc., et tout ça, ça fait un peu hérisser les cheveux, quoi. Ceci dit, moi, je travaille la langue maintenant, ça fait plus de 40 ans que je suis là-dessus. J'essaie de comprendre un peu cette langue-là. J'ai commencé par faire des études de linguistique, donc pour essayer de comprendre un peu le fonctionnement des langues. Et puis j'ai travaillé sur le comorien, j'ai commencé par le shinzwani, et puis petit à petit sur les autres dialectes, et en particulier le shingazija, etc. Donc, maintenant on a une certaine connaissance hein, de la langue, hein, notamment en matière de morphologie, de morphosyntaxe, etc. À Mayotte également, il y a l'association Chinet depuis quelques années, effectivement, qui font un excellent travail également. Donc tout ça fait que le Comorien en général, maintenant, on a quand même pas mal de support, quand même, enfin, pas mal de connaissances quoi, sur la langue. Bon, de manière plus ou moins scientifique, parce que c'est pas les premiers travaux, hein, parce que les premiers travaux, ça date déjà de un certain temps, ça a commencé au 19e siècle avec des missionnaires, notamment en 1820 à peu près. Il y avait un missionnaire qui était en Jouan qui s'appelait Elliot qui avait essayé de faire une grammaire en Jouanaise. Ensuite, il y a le révérend Père Sacleu qui était basé à Zanzibar mais qui a eu à côtoyer des Comoriens et donc qui avait commencé aussi à travailler sur le Comorien. Et ensuite, par la suite, au Comore même, bon, il y avait des missionnaires comme Ngazija, notamment avec le père Fischer, qui était à la mission catholique de Moroni, qui a fait une grammaire dictionnaire du Shingazija. Et en juin, on a les travaux également d'un colon, Monsieur Ango, qui a fait la grammaire ajoanaise. Donc, vous voyez, donc les travaux, ça fait un certain temps quand même qu'il y a quand même des choses un peu sur les Comores. Bon, sur le plan maintenant linguistique, c'est-à-dire avec les outils modernes quoi, de la connaissance des langues, bon, les travaux ont commencé, bon, disons plus ou moins dans les années 70, quoi, qu'on a commencé à travailler quoi, sur la langue, aussi bien les Comoriens que des étrangers, que des. Voilà. Voilà. Bon. Maintenant. Par rapport à l'orthographe, déjà, bon, il y avait déjà plusieurs propositions d'orthographe hein, sur le comorien. Ça a commencé déjà dès 1976, où on avait fait déjà une proposition d'écriture standard du comorien, la manière d'écrire le comorien de manière standard. Bon, cela est resté dans les revues et tout ça. Ça n'a jamais été validé par les autorités comoriennes. Et bon, ensuite, il y a eu des modifications par la suite avec d'autres chercheurs, on a modifié, on a apporté des ajustements, on a essayé de rendre les choses beaucoup plus, de plus en plus standards et puis qui répondent de plus en plus aux différents dialectes comoriens. Donc, il a fallu attendre, disons, 2009 pour que ça soit officiellement
reconnue, enfin l'orthographe officielle. Mais ça reste officiel. Bon, ça reste officiel, c'est-à-dire dans les placards. Ce n'est pas encore utilisé ni enseigné, comme vous l'avez déjà, dit. Hein. Or, bon, tout ça, notamment l'écriture, bon, l'orthographe, c'est normal que les gens écrivent un peu comme ils entendent parce que bon, ils n'ont jamais fait cet apprentissage-là. Donc, on se base un peu sur le français pour essayer de rendre, si vous voulez, le son du comorien, notamment, par exemple, le OU, le OU, il faut mettre le OU, ou bien le NE, il faut mettre le GN. Les gens font comme ça parce que c'est ce qu'ils ont appris à l'école française, puisque le comorien n'est pas encore enseigné. Donc, vous voyez, il y a encore beaucoup de choses comme ça qui se font, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, par rapport à la langue standard, bon, il y aura des débats là-dessus. Hein. Bon, cela demande évidemment beaucoup de travail, Hein. Il faut toute une équipe pendant plusieurs années pour essayer donc de dégager donc une langue standard, ce qui n'est pas facile du tout. Bon, en prenant le cas de Swahili, hein, le Swahili, ça a pris plusieurs années hein, pour qu'on arrive à ce qu'on est actuellement. Bon. Mais je pense que bon, on va peut-être revenir un peu sur tous ces aspects-là. Est-ce que ça vaut la peine vraiment qu'il y ait vraiment une seule langue standard, ou bien est-ce qu'on peut essayer de trouver une autre formule pour que bon, on préserve quand même notre patrimoine, quand on sait que à chaque minute il y a plusieurs langues qui disparaissent. Est-ce que ça vaut vraiment la peine qu'il y ait vraiment une standardisation, une uniformisation? Et qu'on tue un certain nombre de choses, je ne sais pas. Bon, c'est un débat qui mérite d'être traité. Voilà. Bon, voilà, je pense que, bon, au point de vue, bon, comme je l'avais dit, bon, donc j'ai publié donc, plusieurs, enfin, la grammaire du Shingazija, la grammaire du Shinzwani. Il y a Mayotte aussi, ils ont fait une grammaire, malheureusement, qui n'est pas encore sortie, qui n'est pas publiée, alors que c'est prêt depuis un certain temps. D'ailleurs, bon, puisque Jean-Philippe est là, je peux peut-être leur proposer hein, que chez Comédit, on est preneur, hein, on peut le publier sans problème. Voilà. Bon, on a publié aussi des dictionnaires. Bon, là, je suis en train de travailler sur d'autres dictionnaires, notamment plurilingues, notamment le chinois, le comorien, avec le français, l'anglais, l'arabe, etc. Je fais aussi un dictionnaire, je suis en train de faire un gros dictionnaire polydialectal, hein, c'est-à-dire qui comprend aussi bien le Shingazija, le Shinzwani, le Shimwali, le Shimaore. Bon, là, je suis à peu près à 16 000 mots, à peu près. Bon, donc c'est un travail, bon, je continue quand même à travailler dans ce sens-là. Maintenant, par rapport à la question aussi, on a parlé aussi d'une question d'académie. Bon, là, c'était peut-être un peu aller trop vite en besogne. Bon, l'essentiel c'est que les autorités semblent s'intéresser maintenant à la question et que bon, il va falloir vraiment travailler là-dessus et voir comment on peut évoluer quoi, dans ce sens-là. Voilà, bon, je vais peut-être m'arrêter là et puis on va discuter après. Voilà. Yes, bah, super. Bah, dans ce cas, bah, merci Monsieur Chamanga pour cette présentation et puis pour tout le travail que vous avez fait. Jusque-là, on aura l'occasion d'en reparler dans quelques minutes. Je vais donc ouvrir je vais donc inviter Monsieur Spelo Rastami à s'exprimer, donc que vous avez chaleureusement recommandé. Bonjour Monsieur Spelo Rastami. Monsieur, bonjour. Bonjour. Monsieur bonjour. J'espère que vous allez très bien. Très très bien, alhamdoulilah. Il y a des avions pour venir à Mayotte et vous ne revenez pas, c'est... Ah, j'étais l'année dernière, je t'ai pas vu, hein. J'ai vu Jean-Philippe. Ah, d'accord. Ok, mais la prochaine fois. Ouais, ouais. La prochaine fois. Alors, peut-être d'abord remercier hein, M. Chamanga pour son propos, pour ce qu'il a avancé. J'ai noté un certain nombre de choses qui nous tiennent à cœur comme il faut. Je vais peut-être vous parler brièvement de la situation.
À Mayotte, vous parlez de Chimay pour ceux qui viennent de découvrir Chimay. Chimay, c'est une association hein, qui est née récemment, hein. Il date de 2008. Et c'est par des gens qui n'étaient d'ailleurs pas hein, tous natifs de Mayotte, hein, mais qui avaient envie d'apprendre la langue de Mayotte, des enseignants pour la plupart. Certains avaient la chance déjà d'avoir une connaissance du swahili et d'autres d'y être nés d'ailleurs. Et ils ont commencé à travailler et ça a continué, ça a donné les fruits que vous connaissez actuellement. Les fruits en question, c'est quoi? C'est que ici, dans ce que nous avons fait, nous avons commencé, contrairement à ce qu'ont fait les grands comme Chamanga, nous avons commencé à toucher d'abord la base, c'est-à-dire à se dire que dans ce lieu où la France a tout posé pour qu'on apprenne le français, nous voulions, nous, que nos langues aussi puissent avoir droit de cité. Donc, on a commencé par se dire que nos langues à nous disparaissent et il faut faire quelque chose. Il faut absolument que la population puisse se réveiller et agir. Donc, dans cette action, nous avons toujours enseigné le chimaoré. Nous l'avons enseigné à des non-locuteurs. Nous sommes parvenus doucement, doucement à toucher des locuteurs, des natifs des langues, de la langue, pour les amener à une connaissance un peu métalinguistique de la langue en vue de multiplier un petit peu ceux qui étaient aptes à dispenser aussi des cours. Mais la question de l'enseignement a un peu rapidement intéressé l'éducation nationale ici. Qui a voulu faire du Chimaoré un marche-pied pour l'accès au français et du coup à trois reprises des essais de s'appuyer sur, consistant à s'appuyer sur le Chimaoré et le Kibushi pour l'entrée des enfants à l'école ont été faites trois fois, je pense, en 2001, 2003, 2006, 2010 et puis récemment. 2013, je pense, mais sans jamais entendre quelque part les résultats de ces expérimentations que nous connaissons très positifs d'ailleurs. Il y a eu des fuites et puis on nous a expliqué que ça marche très bien. À côté de ces essais-là, il y a Chimay qui a toujours enseigné aux non-locuteurs, mais il y a aussi. Et là, je pense que Jean-Philippe Ngéry et notamment la secrétaire de Chimay, Madame Fatima, pourraient intervenir pour compléter les centres de formation et autres qui s'y mettent aussi pour continuer à faire accéder les langues à ceux qui en ont besoin, à ceux qui en ont besoin. Mais l'idée de fond, c'est surtout faire en sorte que nos résultats scolaires puissent s'améliorer en utilisant nos langues. Récemment, en mars, le conseil départemental a délibéré sur l'alphabet du Chimaoré et du Kibushi en caractère latin et en caractère arabe. Et nous sommes actuellement en train d'essayer de travailler pour un peu faire en sorte que tous ceux qui utilisent, tous ceux qui s'intéressent à la question de langue puissent faire usage de cet alphabet. Et là, bien sûr, une petite question se pose. L'alphabet du Chimaoré, à côté l'alphabet du Chicomore, dans ce que nous sommes en train de parler, les limites, ils sont où? Parler de standardiser, parler d'enseigner, parler. Je pense qu'en un certain moment, il va falloir qu'on essaie d'évoquer aussi un peu cette question de politique hein, qui est un peu obligatoire pour que l'on sache exactement qu'est-ce qu'on peut ensemble faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, puisqu'il s'agit ici de langues régionales et de là-bas des langues officielles. Il y a un petit quelque chose, mais je suis ici parce que je pense qu'au niveau linguistique, nous avons tellement de choses à pouvoir faire ensemble. Ce que j'ai vu là avec le jeune homme qui nous présentait hein, son travail tout à l'heure là,
C'est très intéressant et nous devons tous ensemble tendre vers cela, faire entendre nos langues. Et c'est chimé, c'est tout le temps au pluriel. Ici, nous ne tirons pas le chibouchi pour le chimoré. Et chimé ne pourrait pas comprendre qu'un jour, il y a un travail qui se fait dans les Comores pour qu'on fait le choix, pour qu'on fasse le choix d'une langue au détriment des autres. Cela, nous ne pouvons pas le comprendre. Je pense que M. Chamanga l'a dit quelque part avec beaucoup de retenue et toutes les respects, beaucoup de respect. Mais quand je pense aux Comores, cette enveloppe-là comporterait quatre langues, yes. Et chacune de ces langues-là a droit de cité, doit vivre, doit profiter de toutes nos connaissances pour continuer à vivre longtemps et à se développer. Mais je ne peux pas concevoir qu'en Zouane, on apprend seulement le chimaoré par le chinzouane, par exemple. Je ne peux pas concevoir ça. Et je ne pense pas qu'il y ait un Ngazdja qui pourrait être d'accord d'apprendre seulement le chinzouane et, et non le shingazidja. Et donc, dans ce que nous faisons, évoquons aussi cette question politique et ces questions de langue dans le soi-disant uniformisation qui est peut-être appelée à être posée sur table. Je souhaiterais que si mes amis de Chimay ont quelque chose à ajouter à ce propos, puisque je suis président d'une association et les membres sont là, je souhaiterais qu'ils puissent compléter au cas où j'aurais oublié quelque chose d'assez important à donner à nos amis. Est-ce qu'on nous entend déjà, le président? Jean-Philippe, vous m'avez entendu? Fatima, vous m'avez entendu? Entendu parfaitement, mais je n'ai pas entendu ni Chamanga, ni le monsieur de, ni Nasser, ni le monsieur de Comore Initiative. Hein. Je n'ai entendu que toi, en fait. Alors, si vous avez quelque chose à ajouter, Donc, allez-y. est-ce que eux nous entendent? Je pense qu'ils nous entendent. Oui, on vous entend, vous inquiétez pas, allez-y. Donc, ils m'entendent ou pas? Si, on vous entend, monsieur Jean-Philippe. Continue donc. Donc, moi, concernant donc, le Chimoré, moi, je travaille au centre de formation ACE depuis 10 ans, donc dans le domaine paramédical, mais j'ai été amené à travailler également dans la linguistique, dans le Chimoré, notamment pour les formations interprétariales de l'hôpital et également des cours de Chimoré pour des médecins, pour du personnel infirmier donc, de l'hôpital qui veut apprendre le Chimoré. Et également dans le cadre de la plateforme illettrisme, de lutte contre l'illettrisme et l'analphabétisme, dans la formation de formateurs à la structure des langues locales. Donc, pour nous, dans les centres de formation, c'est très important de voir l'évolution de la standardisation de la langue. Et donc, on essaie, nous, de voir comment stimuler les personnes pour faire des ouvrages, pour faire des abécédaires, faire des grammaires. J'avais travaillé pour l'élaboration d'une grammaire avec Shamsidine Korji il y a quelques années. Et donc, ça n'a pas été publié jusqu'à maintenant. C'était dans le cadre de la direction des langues régionales qui avait été initiée par le président du conseil général qui s'appelait Dushna. Et jusqu'à maintenant, la grammaire n'a toujours pas été publiée. Donc, on essaie, nous, de pousser les auteurs à produire plus de documents pour qu'on puisse nous travailler dans les centres de formation avec des ouvrages, avec des documents, donc avec des outils pour pouvoir travailler correctement ces langues. Si on n'a pas d'outils, on ne peut pas travailler sur les langues. Donc on espère, donc avec par exemple Mohamed Chamanga, on avait proposé de faire un abécédaire en Chimaoré. Et j'aurais aimé savoir si on pourra enfin le publier dans un peu de temps. Et puis j'avais vu donc le superbe ouvrage donc de Mohamed Chamanga concernant le dictionnaire en 4 langues, qui était vraiment illustré, en plus très très intéressant. Et on aimerait bien que cet ouvrage soit publié rapidement, parce que c'est dommage que les ouvrages restent dans les cartons et ne soient pas publiés. Voilà, si on m'entend, si on peut Oui, me répondre. enfin, c'est dommage que vous ne m'ayez pas entendu. J'ai pas du tout entendu ni vous ni le prédécesseur. Oui, Très haché. justement, je parlais justement de la grammaire chimaoré.
en disant que bon, ça a été fait, ça fait déjà un certain temps et que ce n'est pas toujours, ce n'est pas encore publié jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Et que j'ai proposé à ce que Comédit le publie. On est prêt à le prendre, si vous voulez. Mm-hmm. Voilà. Bon, maintenant, pour, concernant le dictionnaire, effectivement, il est fini, quoi. Il est fini, le dictionnaire de quatre langues, là, il est fini, mais bon, c'est une question de financement, quoi, en fait, qui se pose, quoi, parce que, bon, c'est tout en couleur et l'impression, ça coûte très cher. Et, bon, chez Comédit, on n'a pas les moyens, donc, de pouvoir assurer un tirage assez important, quoi. Voilà, en fait, le problème est là, quoi. Mm-hmm. Et je n'ai pas réussi à obtenir... des subventions, des choses comme ça, quoi. Voilà. Le dictionnaire est en il y avait l'arabe, le anglais, le comorien, disons, de parler des Comores. Ensuite, il y a la traduction en français, l'anglais et l'arabe. Donc, excellent. Et s'il y avait une introduction de Chimoré, ben, si le Chimoré était introduit dedans, peut-être que le Mayotte pourrait... Oui, c'est introduit. Hein. J'ai mis des mots, enfin, plus ou moins de tous les dialectes. Donc, oui, bon, là, je profite également peut-être pour répondre un peu à Rastami. Bon, peut-être qu'il ne faut pas parler de quatre langues, parce que c'est vraiment une question... parce que, bon, en fait, c'est la même langue, quoi, ou avec des variantes... des variantes insulaires, quoi. Donc, parler de quatre langues, c'est peut-être un peu vouloir vraiment différencier comme si c'était des langues très différentes, alors que, bon, les différences sont parfois très faibles. Voilà. On entend très mal à nouveau. Très mal. Quand on est plusieurs de Mayotte, on entend mal. Oui, voilà. C'est haché, quoi. On entend très, très mal. Je pense que Fatima avait quelque chose à ajouter, si on peut lui passer la parole. Pardon, désolé de vous interrompre, juste on n'entend pas très bien. Il faut juste rapprocher le micro, s'il vous plaît. Déjà très proche. Alors. Et là, vous m'entendez ? Oui, là c'est bon. Allô ? Ouais, c'est bon, on vous entend. On vous entend. Vous m'entendez ? Ok. Oui, donc je disais par rapport au fait que aux gens effectivement qui sont investis pour l'apprentissage des langues locales, enfin justement tout à l'heure Jean-Philippe parlait de l'apprentissage des langues dans les organismes de formation. Il faut savoir que l'APIA, la plateforme de lutte contre l'illettrisme, pour laquelle je travaille, œuvre aussi pour l'apprentissage du français, mais prend en compte la dimension multilingue du territoire à Mayotte. Du coup, les langues maternelles, elles sont prises en compte pour pouvoir apprendre le français. Elles sont considérées comme ayant un effet levier pour l'apprentissage du français. Et dans ce sens-là, il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place, dont ce que Jean-Philippe a évoqué tout à l'heure. Et du coup, on passe par les organismes de formation pour que les adultes qui souhaitent apprendre le français puissent être accompagnés. On fait l'apprentissage c'est les formateurs, du coup, qui vont être formés sur la graphie, sur la structure des langues locales pour pouvoir mieux former du coup le public qui est en apprentissage du français dans le cadre de la lutte contre l'illettrisme. Et il faut savoir que voilà, c'est on part aussi du constat qu'il y a des langues maternelles et que le français, le public qui est en situation qui ne sait pas qui ne parle pas français,
dans la plupart du public, c'est des personnes qui ont été scolarisées dans les chenilles madras et qui connaissent déjà l'arabe. Et donc, il faut se servir justement de ces personnes, de la graphie arabe, de l'écriture arabe aussi, pour pouvoir mener petit à petit vers le français. Donc, la dimension multilingue, notamment enfin, les langues locales, est très, très importante dans le champ de la formation adulte pour l'apprentissage du français. Et du coup, pour Chimay, nous travaillons aussi en collaboration. Je suis expert de Chimay. C'est travailler aussi en collaboration avec Chimay parce que l'histoire de la graphie, c'est aussi la difficulté d'avoir une graphie commune. Et dans les actions de formation qui sont mises en place par la BIA, c'est aussi de dire qu'on est sur une pratique commune pour pouvoir avoir les mêmes outils et même, la même standardisation pour tout le monde. Donc voilà ce que je voulais apporter en complément, c'est qu'il y a vraiment à la fois il y a le champ de l'éducation pour les élèves, pour les lycéens, pour les tout petits qui investissent, mais il y a aussi le champ de la vie, du coup, dans le cadre de la formation professionnelle. Alors, j'aimerais intervenir, si c'est possible, par rapport au point que M. Chamanga et M. Spilou ont évoqué sur... sur l'innofamisation de langage de la langue. Je suis tout à fait d'accord aussi que aller dans cette trajectoire-là ou d'avoir une seule langue standard, c'est pas bon pour ce qu'on fait en fait, pour le travail qu'on fait. Il faut préserver les langues qui sont parlées actuelles. Par contre, nous, dans notre travail, dans notre exercice, dans le groupe, on a rencontré quelques difficultés au niveau de l'intégration des données dans l'espace numérique. Je vais m'expliquer. Par exemple, on a une équipe de traducteurs qui est chargée de traduire des textes tous les mois, etc. etc. Et souvent, ils sont menés à traduire des concepts qui n'existent pas dans leur dialecte, enfin, dans le dialecte plutôt qu'ils doivent traduire. Et du coup, ils font du switching de l'alternance codique. Les autres t'entendent. C'est comme ça. Vous m'entendez? Ouais, c'est saccadé, mais je n'entends rien. Oh là, oh, vous n'entendez rien. Vas-y, prends la parole. Donc, je recommence, c'est quoi? Donc, est-ce qu'une personne m'a entendu au moins? Est-ce que quelques personnes m'ont entendu? Parce que... Ouais, ouais. Ok, ça va. Mais je poursuis, mais peut-être au niveau de... Comme il y aura des replays pour en voir. Et du coup, nous, comme politique, on a par rapport à la traduction, par exemple, c'est de prendre des mots d'une autre variété pour pouvoir traduire certains concepts. Concepts ou matériels qui n'existent pas dans une variété. Par exemple, le mot crêpe, par exemple, ou le mot omelette, à Shingazidia n'existait pas, on nous a demandé de traduire. On n'a pas voulu dire omeletti, on n'a pas voulu dire etc. Et du coup, on a fait la recherche au dictionnaire, on a vu, on l'a mis, bim, après on met des annotations et ainsi de suite. Ça, c'est le premier qu'on retrouve. Et par rapport à l'aspect numérique, je voulais en venir, c'est lorsqu'on a un outil qui nous permet de nous suggérer des traductions, etc., lorsqu'on demande qu'il nous assiste à traduire ou à nous suggérer des mots dans un dialecte, quand on l'a labellisé Shingazidia, il ne va pas nous sortir le Shinzwani, parce qu'au niveau des codes de l'IEFT, c'est-à-dire chaque variété a son propre code, ce sont des langues individuelles et sont codées comme ça dans l'espace numérique. Quand nous, derrière, on travaille, on utilise ces outils-là, ils ne voient pas les mots des autres variétés. Du coup, c'est nous qu'on force, en fait. On force et on saccage tout ça pour qu'ils nous proposent ces différentes façons de prononcer ou d'évoquer une idée, pardon. On l'a rencontré aussi dans plusieurs domaines, on le rencontre. Pour illustrer un peu, pour tout le monde me comprendre, imaginons demain j'ai un téléphone, je dis, je le spécifie en Shingazidia, et
je vois par manque de données, parce que c'est actuel, il manque beaucoup de données. Je veux qu'ils me traduisent des termes en Shingazidia, ou je veux que mon environnement Microsoft, etc., soit en Shingazidia. Et je vois que la traduction, elle est bancale, parce qu'ils me posent des mots français qui ne sont pas encore comorianisés, etc., etc. Et donc, c'est la difficulté qu'on rencontre sur l'espace numérique. Et là où je vais en venir par rapport à la standardisation, je ne parlerai pas plutôt de standardisation, mais plutôt de code langue. Sur le niveau des codes langues, nous, notre idéal, ce serait vraiment, pour résoudre ce genre de problème-là, avoir un code langue générique. Avoir un code langue générique pour pouvoir parler à ce genre de problème. Donc, oui, il faut maintenir les langues, l'enseigner comme elles sont, les dialectes, que chaque île enseigne son dialecte ou le dialecte du voisin. J'avais entendu parler de Chamanga, d'une stratégie où chaque île apprenait à un moment donné le dialecte du voisin, etc., pour l'union des Comores. Mais au niveau numérique, on a eu ce souci-là, et donc je voulais juste en parler, et nous, comme solution, on l'avait trouvé. La première solution qu'on a vue, c'était avoir un code langue générique. Voilà. Merci. Pardon. Bon, je vais juste faire une petite remarque là par rapport à ce que vous avez donné comme exemple là, d'omelette, quoi. Le fait qu'on ait quatre dialectes, justement, pourquoi on dit quatre dialectes, ça veut dire qu'il y a des différences, des petites différences. Donc, si un mot n'existe pas dans un... il y a peut-être un autre mot à la place. Par exemple, l'exemple de Chandra. Chandra, qui est l'omelette en Shindwani, ben, en Shingazijai, ils n'ont pas ce mot Chandra pour l'omelette, mais ils ont le Mkatomajai. C'est la même chose. Donc, c'est une question de dialecte, en fait, quoi. Donc, bon, c'est pour ça que, bon, justement, le dictionnaire, là, que j'ai terminé, là, de base, permet, justement, de voir, justement, les variétés, quoi. Par exemple, là, si vous entrez le mot Chandra, vous regardez dans le mot Chandra, ça vous renvoie au Mkatomajai. Ou bien Mkatomajai, ça vous renvoie à Chandra, quoi. Bon, maintenant, par rapport à l'informatique, je pense que, bon, c'est une question peut-être de conception de logiciel, je ne sais pas. Moi, je vois, par exemple, quand je regarde un peu quand je consulte des dictionnaires comme dictionnaire en ligne, là, qu'on trouve sur Internet, parfois, on te donne, tu donnes un mot et puis ils vous donnent les synonymes. Donc, vous pouvez peut-être faire des choses analogues, quoi. Ce mot-là, bon, on trouve dans tel ou tel dialecte, il y a ce mot-là. Peut-être que vous pouvez faire ça aussi. Voilà. Si, on peut le faire, mais je disais, on peut le faire dans l'espace, on va dire, dans notre propre logiciel à nous. Mais malheureusement, l'idée, c'est, dans l'intégration numérique, c'est d'intégrer les géants, c'est-à-dire ceux qui utilisent les codes ISO. Et c'est là le problème. C'est-à-dire, on ne pourra pas le faire si on rentre dans leur espace, en fait. Dans le sens que vous avez dit. On peut le faire simplement dans nos propres logiciels ou dans nos propres outils proposés aux gens, on pourra le faire, effectivement. Mais à un moment donné, où ce sera un OS qui va dire... par exemple, je veux du français canadien ou du français belge, etc. Je dis n'importe quoi. À un moment donné, si nous, on n'a pas ce code langue générique, on aura toujours cette même problématique dans les espaces des géants comme Google ou Facebook. Par exemple, aujourd'hui, les intelligences artificielles de Facebook, quand il y a des personnes qui écrivent en comorien, ils le trouvent comme ils font de la traduction en kiswahili. C'est la langue qui se rapproche le plus du Shikomori. Et on voit les résultats que ça donne en termes de traduction. On ne peut pas utiliser le code langue kiswahili pour traduire du Shikomori. Ce qu'on pourrait faire également aussi, c'est peut-être justement de standardiser la manière d'écrire le comorien aussi. Parce que bon, là, on est là avec les autres, là, par exemple. Hein. Ce que nous proposons, ce n'est pas tout à fait ce que propose le Chimé, même s'il y a des différences sont minimes, mais peut-être aussi voir comment, justement, avoir quelque chose de commun, quoi, qui soit valable pour tous ces dialectes-là. Notamment pour certains sons, c'est vrai que, bon, par exemple, pour le B, est-ce que vraiment c'est nécessaire de faire la distinction? Bon, c'est une question, quoi. Moi, je le fais dans le dictionnaire parce que c'est un dictionnaire, bon, c'est dans le cadre...
de la prononciation pour que les gens sachent bien prononcer, mais est-ce que dans l'écriture c'est nécessaire? C'est pas sûr. Donc voir un peu ces choses-là. Pour les voyelles nasales, je crois que bon, à Mayotte là maintenant ils ont adopté l'accent circonflexe, donc je suis ravi. Par contre, pour le B, bon, là, il y a des différences, quoi. Alors qu'on a parfois les mêmes mots, hein, mais ça s'écrit différemment. Hein. Par exemple, au Bahoua, bon, en Comorien, on met PV, et à Mayotte, je crois, on met, je ne sais pas si c'est BH ou VH, je ne sais plus. Donc, vous voyez, donc, des choses comme ça, peut-être on peut essayer, par exemple, peut-être d'harmoniser le système. Voilà. D'accord, ok. Bah, du coup, Monsieur Rastami, peut-être que vous avez un avis sur cette question. Oui, dans l'harmonisation, là, on va être, je pense, un peu coincé à un moment s'il faudrait faire quelque chose d'officiel, puisqu'il y a deux versions officielles avec ce que décide le conseil départemental de Mayotte et ce que aurait décidé la direction des Comores. Je ne sais pas trop comment on va faire. La langue, si appartient à la région. Je ne sais pas trop. Je n'ai pas à décider dedans. Pour information, ils ont décidé pour le B de faire BH, qui me déplaît, mais ils ont décidé comme ça. Moi, c'est le VH qui m'allait. Mais ça a été décidé. Donc, nous entendre, oui, nous entendre dans toute la mesure du possible, bien sûr, parce qu'au niveau linguistique, nous devons essayer de résorber tout ce qui peut être frein. Mais à un certain niveau, je ne sais pas, il y a peut-être un peu de politique qui nous marche un peu dessus. Oui. Je sais pas trop. Eh bien, il faut dire ce qu'il en est, je ne sais pas trop comment faire. Oui. J'ai d'ailleurs ici un problème avec mon de la poésie que j'ai envie d'éditer. Il propose d'écrire le B avec BV, non, BH, alors que ma fille à moi s'appelle Mbrentewa, et c'est avec un VH que j'ai écrit son prénom. Donc personnellement, je ne peux pas adopter ce qui a été décidé dans la région, mais vous voyez déjà. Mais je pense aussi qu'à un certain moment, il faut parvenir à passer un peu outre un certain nombre de blocages, mais nous pourrons l'obtenir en continuant à échanger, je pense. Oui. Je pense que la meilleure façon, c'est d'écrire hein, déjà, hein, que les gens produisent des choses. Et que bon, les choses petit à petit se feront, je pense, de manière automatique. Bon, l'orthographe elle-même, ça peut être changé. Hein, même, vous voyez que même pour le français, bon, de temps en temps, il y a des réformes qui se font. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas arriver à quelque chose de commun, quoi. Oui, c'est le processus même de langue vivante. Comment ? Produisons, continuons à produire dans les Chimwali, les Chinzwani, les Chingazija, dans toutes les variétés pour continuer à produire et peut-être à réfléchir aussi sur la circulation de ce que nous produisons. La circulation autant au niveau dématérialisé que matérialisé. Il faudrait peut-être que nous penchions un peu plus là-dessus. Et discuter aussi, si ça peut se faire ici sans tabou, de la question des moyens, parce que je pense qu'il y a des moyens, on peut avoir des financements, si ce n'est pas trop politique. Ça me fait rigoler un peu, parce que très souvent, nous sommes bloqués par ça. Mais je pense qu'il faudrait qu'on continue un peu ces initiatives, qu'on continue un peu à discuter un peu ensemble et à parler concrètement de ce que nous pouvons faire ensemble, tout simplement. Chamanga veut éditer, il n'a pas d'argent. Nous, on a le livre, on le bloque, mais on a l'argent, etc., etc. Peut-être qu'en discutant ensemble, on peut parvenir à trouver des solutions. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'argent ici pour faire tous ces genres de choses.
Voilà, voilà. Même la belle dame qui est là, la secrétaire de Chimay, aussi peut trouver de l'argent, lui, elle aussi, dans ce qu'elle fait. Pour nous aider à étoffer un peu le marché qui est en souffrance. Voilà. Voilà. On n'entend pas très bien. On n'entend pas très, très bien. Je crois qu'on entend. Ouais, la phrase est un peu lointaine. Son haut-parleur, en fait. Je crois qu'il faut qu'elle coupe son haut-parleur et prend peut-être des écouteurs parce qu'on entend les échos de haut-parleur, je pense. Mmh. D'accord, ok. Mmh. En attendant que Madame Hassani Fatma règle son micro, on a une question dans les commentaires. Est-ce qu'il est possible d'introduire l'enseignement du Shima Siwa, donc l'employé terme Shima Siwa, en passant plutôt par des écoles privées? Donc, peut-être que dans ce cas, le financement viendrait pas forcément des institutions publiques, mais là, ce serait carrément les gens en fait qui auraient cette volonté de faire apprendre à leurs enfants la langue. Enfin, qu'en pensez-vous? Oui, évidemment, on peut passer. On peut imaginer cette solution, mais je pense que c'est un peu aller trop vite en besogne. Je pense que il faudrait que vraiment les autorités s'intéressent vraiment à la question pour qu'on crée une équipe de chercheurs, de pédagogues, pour travailler sur la question. Parce qu'on ne peut pas introduire la langue comme ça. Il faut d'abord l'avoir travaillée, hein, préparer les outils quoi, pour pouvoir enseigner cette langue-là dans les écoles. Et ça demande un peu de temps. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Donc, il faut un minimum de 5-6 ans, des trucs comme ça, pour préparer vraiment l'introduction du Comorien dans le système éducatif. Mais il faudrait que, effectivement, soit il y a une équipe, soit c'est l'État qui constitue, donc qui crée donc ce, ou bien c'est une sorte d'ONG, je ne sais pas, qui va chercher des moyens un peu partout pour essayer donc d'impulser ce travail-là, et puis pouvoir peut-être travailler avec certaines écoles privées pour pouvoir introduire la langue dans le système éducatif. Voilà. Je voulais poser une question. Oui. Est-ce que la question de l'enseignement de la langue dans Anjouan, Moïli et Ngazidja, est-ce que la population elle-même en veut? Ah, c'est une bonne question. Je ne sais pas, moi je ne pourrais pas m'exprimer à leur place. Toutefois. Je pose cette question parce que j'ai compris qu'il a été. C'est soit l'Union qui avait déjà délibéré là-dessus, ou qu'il existe un papier quelque part qui en autorise l'enseignement. J'ai jamais entendu de geste quelconque allant dans ce sens-là depuis l'existence de ce papier-là. Je vais profiter du fait que M. Chamanga soit là pour que je pose ces deux questions. La délibération existe, mais est-ce que la population demande cela? Voilà mes questions. Non, là, c'est une question. Je pense que la question est un peu mal posée. Est-ce que c'est la population ou... je pense que il faudrait déjà informer la population, sensibiliser la population de l'intérêt de l'enseignement du comorien dans le système éducatif. Ça, c'est très important. Évidemment, si on voit, souvent on prend des exemples depuis où ça a échoué. Notamment, on parle de Madagascar où on avait malgachisé, tout ça, ça a échoué, donc les gens n'en veulent pas. Je pense que c'est pas tout à fait ça. Et pourquoi en Tanzanie ça marche? Pourquoi ça fonctionne en Tanzanie? Hein? Pourquoi les gens apprennent en swahili? Et pourquoi ça ne pourrait pas marcher au Comores? Et dans d'autres pays, pourquoi les enfants, allons au Vietnam, allons en Chine, allons dans n'importe quel pays d'Asie, les gens apprennent dans leur langue. Pourquoi ça ne marcherait pas chez nous? Donc il faudrait que, justement, sur le plan politique, je pense, que les autorités elles-mêmes s'intéressent à la question et fassent une politique pour ça.
pour l'instant, il n'y a pas de politique linguistique. Là, bon, il y avait, pour l'officialisation du Comorien, il y avait une sorte de pression de l'intelligentsia, si vous voulez, comorien, mais bon, le politique bon, n'a pas suivi. Bon. Ça, c'est le commentaire des gens qui suivent sur YouTube. Pardon? Je n'ai pas entendu. Là, il s'est parlé entre eux là-bas. Ah bon, d'accord. OK. Oui, oui. Donc, je pense que c'est une question de sensibilisation et en même temps de voir l'orientation. Parce qu'il ne s'agit pas vraiment de. Parce que les gens ont peur que, bon, on va uniquement apprendre en comorien, quoi. Non, ce n'est pas ça la question. C'est-à-dire que la question n'est pas là. Mais il faut initier, je crois que bon, tous les pédagogues sont d'accord là-dessus, que commencer les études déjà dans la langue locale, dans la langue des enfants, pour qu'ils arrivent justement à maîtriser assez vite les outils enfin, cognitifs. Quoi. Je pense que voilà, c'est juste une question de volonté politique. Autant dans le Swahili, quand il a décrété que le Comorien, il fallait l'utiliser partout, ben, ça n'a pas posé de problème. Les gens étaient d'accord et les gens ont appris ça. Vous voyez? Donc, là, si bon, les autorités vraiment s'y mettent, ben, il faut aussi qu'ils mettent les moyens. Et les moyens, c'est ça, c'est déjà de former donc, l'équipe qui va se pencher à la question, qui va faire des propositions, qui va, qui va créer les outils et tout ça. Quoi. Donc, il y a tout ça qu'il faut mettre en place pour que les choses puissent petit à petit entrer donc, dans le système. Je pense que nous avons procédé un petit peu d'une manière un peu différente de là-bas. Nous avons commencé par essayer de faire des animations, appeler tout le monde et dire aux gens que c'est important hein, de faire en sorte que nos langues puissent être prises en compte. Et ici, la question ne se pose plus tellement. Hein. Les gens ont compris que nos langues peuvent aider aussi à améliorer les résultats de scolaires des enfants, mais nos langues aussi doivent exister, doivent suivre les enfants à l'école. Et donc, j'avais envie de proposer, si jamais les politiques ne s'accaparent pas de cette problématique, pourquoi ne pas faire comme ici, créer les associations et faire ce qu'il faut pour commencer à éveiller un peu les consciences, puisque vous, pédagogues, vous êtes tous d'accord de bien fonder de l'enseignement des langues, de toute l'importance que ça peut apporter hein, dans la scolarité et au-delà. Donc peut-être qu'il faudrait aussi qu'on commence à réfléchir autrement, ne pas attendre nécessairement que ça vienne des politiques. Je suis d'accord. D'accord aussi. Moi, personnellement, par rapport à la politique, surtout aux Comores, j'y crois pas vraiment. On a essayé à plusieurs reprises de rentrer en contact, etc. Et vu comment ça fonctionne, tous les années, ils changent de gouvernement, ils font une remise à zéro du compteur. Nous, dans notre perspective, dans nos lignes directives, la politique, enfin, les politiciens ou le gouvernement, c'est à côté, mais vraiment, on a oublié. Peut-être c'est à tort, mais on n'y croit pas. Et du coup, on est plutôt sur des solutions, on va dire, associatives ou des partenariats avec des écoles privées, comme évoqué un peu Sénir, c'était le commentateur sur YouTube. Et on est plutôt dans ce sens-là, c'est-à-dire voir avec qui on peut parler, collaborer pour que des professionnels, des organisations, déjà s'accaparent, adoptent déjà l'orthographe. Déjà. S'ils faisaient ça, déjà, ce serait un grand pas. Et puis, au fur et à mesure, voir comment l'introduire, etc., petit à petit, mais c'est vrai que la partie politique, nous, on n'est pas trop dessus. Nous aurons besoin, nous, ici, de nous ouvrir. J'avais fait une tentative, M. Chamanga, hein, au niveau d'en juin. On avait avec, comment il s'appelle déjà, Mohamed Lutfi, oui. Et d'autres jeunes là-bas, on avait créé une association qui s'appelle Hachirisha. Mm-hmm. Mais je pense que je n'étais pas tombé sur les bonnes personnes. Ça n'avait pas. Ils ne travaillaient que quand j'allais là-bas et je n'y vais pas très souvent. Donc je pense qu'il faudrait que l'on
que l'on mette en place des associations, et en Juan, et en Moëli, et en Gazidja. C'est quelque chose qui peut intéresser aussi la préfecture de Mayotte, qui pourrait aussi peut-être accompagner Chimé pour travailler avec les autres associations là-bas. Mais je pense qu'il faudrait que nous parvenions à pousser un peu les politiciens à s'accaparer de cette problématique. Parce que si on attend qu'ils prennent une décision comme ça par magie, ça ne se fera pas. Il faudrait qu'en bas, il y ait quelque chose qui bouge. Déjà, vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup avancé, mais ça n'a pas d'écho en bas. Il suffit d'aller, par exemple, en juin et voir l'enjoint est écrit. On ne dirait pas qu'on soit sur la terre de Chamanga. Vous voyez? Donc, je pense qu'il y a un travail à faire à la base ici, qu'il conviendrait de débuter maintenant, pas en laissant de côté ce que vous faites, mais peut-être en encourageant des gens de votre parage que vous connaissez un peu plus conscients de tout ça, pour que l'on puisse animer, et peut-être que la voix de la population pourrait intéresser les politiciens. Je le vois un petit peu comme ça. Oui, je connais les gens de comment vous allez dire Hachirisha. Oui, bon, je travaille un peu avec eux. Bon, malheureusement, justement, pour ces associations un peu, associations à but non lucratif ou associations de bénévoles comme ça, là, le problème, c'est que l'animateur principal est parti faire ses études à l'extérieur. Donc, du coup, tout était tombé à l'eau. Bon, là, je pense qu'ils sont en train de reprendre les choses parce que le gars, il est revenu et que, bon, là, on reprend les choses. J'ai d'ailleurs cet après-midi avec justement avec Lutfi et on en a parlé aussi. D'accord. Il y a aussi l'association pour la promotion de la langue qui est dirigée par Madame Manaïcha. Ben là aussi, bon, on commence à s'activer et les choses, je pense que les choses avancent quand même dans ce sens-là. D'accord. Tenez-moi au courant pour que je puisse voir comment aussi je peux prêter main forte de mon côté. D'accord. Du côté de Chimé. Très bien. Et il n'y a personne de Moëli de représenter ici ce soir, non? Non, malheureusement. Donc Nasser avait recommandé une personne qui est sociolinguiste. Moëlien qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous et qui sera prochainement, j'espère, interviewé par la plateforme Comore Initiative. Monsieur Chamanga est au Comore actuellement? Non, je suis à Paris là. Ah d'accord. T'es trop loin dans le foie là-bas. Bon, mais je travaille quand même, je travaille justement avec un gars de Moëlien là qui est très bien en ce moment. Ah. Et bon, toutes les semaines, on a justement une sorte de visioconférence justement pour travailler là-dessus, quoi. Et je suis en train de préparer une petite grammaire de Chimwali. D'accord. Il est à Moëli, lui? Il est à Moëli, oui. Est-ce qu'on peut avoir le contact, s'il vous plaît? Oui. Donc, je vous donnerai ça. D'accord. Okay. Super. Super. On va partir de Mayotte pour aller jusqu'en Gazidja. dans la création des associations. Et peut-être quand on aura posé ça, on pourrait se regrouper physiquement et puis faire avancer les choses avec nos infographistes, et, etc. Voilà, discuter ensemble. Ok. D'accord, peut-être que maintenant Jean-Philippe et Njeri pourraient voir s'ils peuvent participer. Je ne sais pas s'ils nous entendent. Jean-Philippe, vous nous entendez? Ben, apparemment, leur micro est coupé, là. Ouais, c'est ça, exactement. On n'entend rien du tout, en fait. Ah, vous n'entendez rien? Des voix saccadées. Oh là là. Donc, c'est peut-être votre réseau, non? Est-ce que vous nous entendez? Oui. Oui. On vous entend bien, oui.
Donc, je peux intervenir maintenant que ça marche. Ouais, oui. Alors, donc, Jerry Brandon, je suis directrice d'un centre de formation qui s'appelle Odina. Donc, c'est un centre de formation pour adultes. Et je suis membre de Chimay, bien sûr, vice-présidente. Et dans le cadre de Chimay, j'ai participé dans tous les travaux dont a parlé Monsieur le Président. Et aussi dans le cadre de mes études, j'ai fait une recherche sur les écoles et les collèges de Mayotte, les lycées, pour voir les attitudes des enseignants envers l'idée d'introduction des langues dans les écoles. Et donc, ce que je peux dire, c'est que j'ai constaté une grande évolution dans les mentalités à Mayotte. Parce que là, au moment où je faisais les études en 2012, l'idée des langues dans les écoles était assez mal vue et mal acceptée. Mais aujourd'hui, nous voyons les enseignants qui prennent des initiatives pour faire des activités autour des langues maternelles. Donc, en très peu de temps, les mentalités ont évolué. Les parents maintenant parlent à leurs enfants en langue maternelle. Alors que quand je suis arrivée à Mayotte, il y a 20 ans, certains parents essayaient de parler français à la maison pour que les enfants, soi-disant, apprennent mieux le français. Et certains parents, donc, quand on leur parlait de Chimay, disaient que ça ne sert à rien, il vaut mieux se concentrer sur le français. Donc, ce discours existe toujours, bien sûr, mais il y a quand même eu beaucoup, beaucoup de changements. Dans le cadre de mon travail, j'utilise les langues de Mayotte avec le formateur dans le cadre de l'alphabétisation des adultes. Donc, pour les personnes qui ont vraiment des difficultés, nous les faisons entrer dans la lecture en utilisant leurs langues pour nos. Du coup, on les a perdus. On va probablement se reconnecter assez rapidement. En attendant, on a une petite question. Est-ce que la standardisation de la langue comorienne se fera d'une manière instantanée à l'Internet? Je fais référence à des langues internationales qui se traduisent instantanément via Google. Alors, en tout cas, pour tout ce qui est insertion sur Internet, non, ça ne se fait pas instantanément, hein. Ça prend beaucoup de temps, il faut une grosse communauté de gens qui font le travail de traduction. Par exemple, rien que pour rentrer sur Google, il faut une grande masse critique de gens qui vont aller sur Google, qui vont solliciter Google pour que la langue soit acceptée. Et ensuite, à partir de là, dès qu'il y a une masse importante qui les a sollicités, ils ouvrent la langue et là, on peut commencer à traduire de sa langue vers l'anglais. De base, c'est ça. Il y a Jean-Philippe et Géry qui sont revenus. Hop. Par contre, leurs micros sont coupés. Vous pouvez réactiver votre micro. Je crois qu'ils... Ah zut, bon, on les a encore perdus. En tout cas, oui, par rapport à ce que disait Géry, enfin moi personnellement dans mon cas, je sais que même ayant grandi en métropole, c'est vrai que souvent on voit pas l'intérêt, les parents voient pas forcément l'intérêt d'enseigner la langue maternelle. Donc, du coup, le travail que fait Géry est très important. Mais je pense que c'est en train de changer ça. C'est-à-dire, une génération, effectivement, où c'est un peu réticent par rapport à l'enseignement du shikomori. Et par contre, il y a une génération de jeunes mamans ou jeunes parents sur lesquels on a eu l'occasion de participer avec eux à des ateliers au Shioni, etc., etc. Et quand ils nous voient enseigner le shikomori, etc., ils sont très, très contents et comprennent très bien l'importance de ça. Ils n'ont aucune restriction de ça. Ils nous encouragent d'ailleurs. Donc, je pense que ça change. C'est des mentalités, mais je pense que au niveau de la population, je pense que ça, ça,
C'est audible. Aujourd'hui, je pense que c'est assez audible. En France, du moins pour nous. Il y a qui essaie de s'exprimer, on n'entend pas. Jerry Brandon, peut-être aussi. Jerry, vous pouvez reprendre. Oui, donc je termine rapidement avant que ça coupe. Donc, l'alphabétisation des adultes en langue de Mayotte, et nous avons bien sûr constaté qu'ils apprécient beaucoup et ça va beaucoup plus rapidement que d'insister sur leur apprendre le français avant qu'ils sachent lire et écrire correctement. Voilà, et nous utilisons aussi leur connaissance en caractère arabe, parce qu'il faut savoir, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas analphabètes. Ils savent lire et écrire en caractère arabe, le shimaoré ou le kibushi en caractère arabe. Et ceci est un acquis qu'ils ont déjà et il faut capitaliser dessus pour qu'ils aient une fondation et une base avant de continuer à apprendre la lecture en caractère latin. Je vais m'arrêter là et je suis désolée pour cette mauvaise connexion. Ah, bah, c'est des choses qui arrivent. En tout cas, bah, merci d'avoir partagé cette expérience. C'est dommage, on aurait aimé plus avoir plus de détails, peut-être. Peut-être comment est-ce que vous avez. Parce que du coup, vous avez observé une mutation. À votre avis, qu'est-ce qui a provoqué un peu cette mutation qui a donné l'envie, en fait, aux gens? Peut-être leur renvoyer la question. Comment? Peut-être leur renvoyer la question dans le passe commentaire et qu'ils répondent. Ah, dans le private chat? Ouais. Ouais, ok, bon, bah, je répondrai, je vais réécrire ma question un peu plus tard. C'est bon là? Ouais, c'est bon. Ok. Non, j'ai conclu, hein, j'ai dit. Que je m'arrête là, puisqu'on a beaucoup de problèmes de connexion. On a entendu. Il y a Madame Hassani Fatma qui voudrait s'exprimer. Elle a la parole. Fatima. Vous m'entendez? Oui. Vous avez la parole. Par rapport à la question savoir qu'est-ce qui... On ne vous voit pas et on vous entend mal. On vous entend mieux, mais on ne vous voit pas. Moi, je la vois, moi. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de certaines personnes, en tout cas ici à Mayotte, d'apprendre les langues, je pense que ça a été passé aussi par plusieurs phases de sensibilisation à travers des actions qui ont été menées par Chimé. Hein. Il y a tous les ans les journées internationales et sur l'atelier d'apprentissage du shimaoré autour de plein d'aspects et grâce à ça il y a vraiment une valorisation qui est mise en place et la culture aussi qui est à travers sous d'autres aspects et grâce à ces sensibilités des phases de sensibilisation et des actions qui sont menées, je pense que ça ne marche pas. Moi, une éducation, ça ne marche pas.
à l'intérêt en tout cas d'apprendre le shimaoré. Désolée, on a quelques questions parce que. Ah, on a perdu. Madame Hassani Fatma, c'est vrai qu'on n'entendait pas très bien, malheureusement. Malheureusement, on n'entendait pas parfaitement bien. Par rapport à l'intervention de Njeri, je pense que bon, l'alphabétisation ne pose pas vraiment de problème. Je crois que, bon, en chemin déjà, il y a pas mal de cours d'alphabétisation qui se font en comorien. Là, j'ai par exemple, mais bon, là, c'est souvent des ONG étrangères, hein. Notamment, j'ai par exemple, je ne sais pas si vous voyez ce livre-là, cours d'alphabétisation niveau 1, je suis Zwani, fait par une association qui s'appelle Naipenda Comor. Et c'est très, très bien fait. C'est très bien fait. Bon, maintenant, c'est. Vous voyez, donc c'est pour les adultes, donc c'est écrit entièrement en comorien, et même les notions grammaticales et tout ça, c'est les mots, les terminologies, c'est fait en chinzoani. Donc c'est possible. Donc vous voyez que c'est quelque chose de très possible. Maintenant, le problème, en fait, c'est plus dans l'introduction de la langue dans le système éducatif, dans l'enseignement de base, quoi. C'est là où il y a la difficulté. Et que, bon, comme je l'ai dit, hein, bon, ça se prépare. Bon, nous, les linguistes font leur travail. Maintenant, il faut que, bon, comme a dit l'autre, bon, peut-être créer une force, une sorte d'ONG assez puissante pour qu'on puisse peser vraiment sur ce travail-là, même si le politique ne suit pas. Et puis, s'entendre effectivement avec peut-être les écoles privées. Et je sais qu'il y en a qui sont d'accord, hein, déjà. Hein, j'en ai discuté déjà à Moroni. Il y en a qui sont d'accord pour introduire la langue dans le système éducatif. Et le comorien. Bon, paradoxe aussi, quand on est à Moroni, c'est qu'à l'école française, à l'école maternelle, les cours se font aussi en chicomore, mais pas dans les écoles, pas dans les écoles comoriennes. Vous voyez. Donc, certaines écoles privées sont prêtes, quoi. Il faut. Le problème viendrait de nous, de la population, alors. Il faut faire en sorte que la demande puisse. C'est un peu grave, là. C'est un peu grave. Ouhashiri Shaya Muhimu. Soif. Rehashiri Shaya Jama. Il est paré à Sukumengon Masuku. Même si le soir, ça fait juste la journée internationale de la langue maternelle. Mm. Ça se fait à Mayotte, Marie généralisée. Mm. Réfaite. Je vais essayer encore. Hein. On peut le faire ensemble. Tout à fait. En même temps. Tout à fait. Ce qui, mais je pense qu'il faudrait absolument. Réveiller un petit peu les gens, leur parler de l'importance de tout ça là. Sinon, tout le grand travail que vous avez fait, Monsieur Chamanga, restera dans la tête des grands et personne ne le saura. Il faut que l'on travaille la base. Il faut qu'on travaille la base. Et ça bug parce que j'ai parlé. Chimaoré. Oh non, ça n'a rien à voir. C'est que je dis ça. Est-ce que vous m'entendez? Ah, je crois. Ouais.
Il ne faut pas parler Chikomor là, ça, sinon ça ne va pas. Non, dire encore une fois, j'espère que ça ne va pas faire. Donc, je propose qu'on s'organise pour ça. Là, en février, le 21 février, c'est un peu tôt là. La journée internationale, c'est le 21 février de chaque année. Mais peut-être profiter de ce 21 février pour nous entendre et nous organiser pour le 21 février 2022, par exemple, pour faire quelque chose ensemble, dans les quatre îles. Voilà. Avec toutes les associations possibles, parce que toutes les associations parlent Chikomor. Dans toutes les associations possibles. Et comme ça, la question de la langue aura été évoquée. C'est noté. Ah. Ça serait magnifique, ça. Marhaba. Madame Sani Fatma, peut-être que là, vous pouvez vous exprimer. Je pense qu'on vous entendait mieux. Vous m'entendez mieux, là? Ah, non. Ça veut nous lâcher ou quoi, là? Je voulais juste dire, oui, par rapport à ce que disait monsieur le pasteur, c'est que l'éveil aux langues maternelles passe par la phase de sensibilisation. C'est ce que je disais tout à l'heure, mais je ne sais pas si là vous m'entendez. Et que, justement, le fait de célébrer tous les ans la journée internationale des langues maternelles avec toutes les associations, c'est un très bon moyen, un très, très bon levier pour passer des messages. Et aussi que les différentes associations, en fait, tout simplement, puissent comprendre aussi que et la leur et de l'importance et que c'est grâce à elle que quelqu'un peut aussi continuer à vivre tous les jours, à apprendre de nouvelles choses, à apprendre des nouvelles langues. Et c'est vrai que toi, hein, les journées internationales des langues maternelles sont un très bon moyen de sensibilisation pour pouvoir attirer le public. On ne l'entendait plus. Avant les journée internationale des langues maternelles, il y a des ateliers qui sont mis en place dans certains sites, certaines communes. Et du coup, grâce à ces ateliers, c'est apprendre le chimaoré avec autant d'ateliers thématiques et écrire des poèmes, des chaïs. Et grâce à ces poèmes et chaïs, les gens redécouvrent en fait la langue et c'est des choses originales. Il y a une autre vision en fait de la langue. Elle n'est plus seulement une langue parlée, mais quand elle devient écrite, en plus exprimée en poésie, c'est juste magnifique. Et je pense que ce travail-là doit pouvoir être pérennisé et continuer dans les autres îles. Et pourquoi pas, oui, faire un travail commun dans ce sens-là. Je pense que vous avez pu l'entendre, non? Oui, oui. Oh, ouais, cette fois, on a entendu. En tout cas, c'est ce qu'on propose. Hein. On va sensibiliser, peut-être en se basant sur ce qu'on a fait aussi, hein, par rapport à la Journée internationale de la langue maternelle. On a fait des ateliers, on a écrit des poèmes, beaucoup de poèmes qu'on a fait passer à Mayotte Première. Nous avons des radios et on a le ERTC, il y a des plages de libre là-bas qu'on pourra utiliser. Je sais que les Anjouanais, les Comoriens, ils font des très beaux poèmes et c'est peut-être faut leur en faire profiter, initier à ceux qui veulent écrire et faire en sorte qu'ils se voient à leur télévision, qu'ils s'entendent à leur radio. Qu'on équipe un peu ces radios-là avec nos langues au lieu de faire passer de la musique de je ne sais où et hein, ça serait une bonne chose. La sensibilisation, M. Chawanga, ça passe pas. Même les élus vont être sensibilisés. Donc, on doit s'y mettre. Et le plus rapidement possible. Voilà. Ça me fait penser à un concours qu'on a organisé un jour. C'est un concours de poésie.
sur le net. Et on s'est vu envoyer des textes, etc. Puis on avait un groupe, une communauté de slameurs comoriens. Alors, dans Juin, etc., on n'était même pas prêts. Ils nous envoyaient des vidéos. Et nous, dans les règles, c'était poésie, mais vraiment à l'ancien, sans parler de slam, etc. On était là, on s'est retourné, on s'est dit dans l'équipe, on fait quoi? On accepte? On a débloqué la chose parce qu'il y en avait énormément. Et ça a pris. Et vraiment, malheureusement, c'est vrai que on pense que les Comoriens n'aiment pas parler ou n'aiment pas aborder la question de la langue. C'est peut-être une réalité, mais il y a beaucoup aussi de personnes, des artistes, des personnes individuelles isolées qui ne savent pas qu'ils aimeraient avoir ces plateformes ou ces structures dans lesquelles échanger ou promouvoir ce qu'ils font déjà. Et ces personnes-là existent. Il faut juste qu'on leur propose et vous allez voir, ils vont venir, ils vont proposer des choses, mais magnifiques. Nous, on avait constaté que notre jeunesse ici ne chantait qu'en français. Depuis que nous avons commencé à sensibiliser avec la poésie, on a eu beaucoup de slameurs aussi qui ont intervenu. Et là, actuellement, notre jeunesse chante en chimaoré. Et donc, oui. Je pense que c'est ce que nous avons fait ici passerait à... mais les jeunes d'Anjouan sont ici, d'accord? Les jeunes d'Anjouan sont ici et nous voyons bien comment ils sont intéressés par cette thématique. Donc, généralisons un peu ça et la sensibilisation fera son chemin rapidement. Et quand tu dis « nous », M. Chamanga doit continuer à écrire. Mais nous autres, nous devons nous organiser pour la sensibilisation en question. Voilà. Non, je continue à écrire, mais je continue aussi à publier de plus en plus de textes en comorien. J'ai publié pas mal de recueils de poèmes, même des romans en comorien. Donc ça existe. Donc je fais beaucoup d'efforts là, dans ce sens-là. Et depuis quelques temps, là je suis en train de préparer un certain nombre justement de livrets en comorien, justement. Des petits livrets, des histoires, des contes, des choses comme ça, illustrées quoi, pour les enfants et tout ça. Quoi. C'est en comorien. Ce n'est pas très vendable, mais je crois que c'est nécessaire. Ouais. Mais peut-être aussi qu'en faisant nos ateliers, machin, les enfants pourraient découvrir ça. On pourrait peut-être avoir un atelier où on lirait ce qu'aurait produit M. Chamanga, etc. etc. Ça pourrait se savoir. Tout à fait. Ça pourrait faire un chemin rapide et bien. Parce que je pense que ce qui est disponible ne l'est pas pour la population puisque la sensibilisation nécessaire n'a pas encore commencé. Donc, on doit y aller. On doit s'y mettre. Voilà. Moi, c'est un peu bugué de mon côté. Je ne sais pas pour vous autres. C'était bon. Ah ok, très bien. Donc du coup, je sais pas si, je pense que c'est donc Oumahir Azir qui rebondit probablement sur les propos de Monsieur Spelo Astami sur le genre de politique de sensibilisation qu'il faudrait mener pour faire comprendre aux natifs comoriens que le chicomore, en dépit du fait qu'elle est parlée par une minorité, est indispensable. Donc en fait, là, vous nous disiez que grâce à votre campagne autour de la poésie, vous avez pu un peu aider les jeunes à peut-être à vous avez valorisé la langue pour inciter donc les jeunes à s'exprimer dans cette langue plutôt que de chanter dans la langue française. Et en fait, comment est-ce que vous vous y êtes pris, par exemple, pour sensibiliser ces jeunes-là? Alors, nous avons profité du fait qu'il y a une journée dédiée aux langues maternelles. Et nous fêtons cette journée-là depuis 2009 et nous proposons notamment des questions-réponses, un concours de questions-réponses. Nous proposions aussi un atelier d'écriture où on venait écrire des poèmes et puis il y avait un jury qui se tenait et puis les meilleurs étaient primés. Et puis, on pouvait aussi les entendre à la radio et voire même des fois les voir à la télévision. Et donc, ça a rapidement fait son chemin et a intéressé la population cible. Et je pense qu'un truc comme ça peut se faire puisqu'il y a de la place à ORTC, il y a de la place à la radio comme à la télévision.
se voir à la télévision, c'est toujours une bonne chose pour un jeune, non? Voilà. Et les concours aussi de questions et de réponses, des questions qui pouvaient avoir des réponses hein, en Chimaoré et en Kibushi que nous faisons ici, ça avait aussi son pesant de cacahuètes. Je pense qu'il y avait spécifiquement les deux ateliers là qui étaient bien, mais à côté de ça, le fait que notre association pouvait avoir l'antenne pour dire non, il faut que nos langues puissent exister, que ça puisse vivre, machin, chose, il faudrait que l'on fasse ça, il faudrait que l'on parle, il faudrait que l'on dise que le Chicomore doit avoir des droits de cité aux Comores, pas seulement dans les livres. Il faudrait que ça s'entende, ça se dise, que ça se vive. Mais on n'entend pas ça. On sait qu'il y a des grands qui écrivent. Ça, c'est certain. Mais en dehors de ça, pas de sensibilisation en bas pour que la jeunesse puisse aller vers ce qui existe. On a l'impression de se répéter, mais c'est, à mon sens, un élément important. Il ne faut pas passer à côté. Il faut qu'on aille sensibiliser. Il faut qu'on commence à zéro. D'accord. Voilà. Gros travail de communication autour du Chimaoré. Qui peut aller très vite, d'ailleurs. Hein? Qui peut aller très vite. Exactement. Ouais. Très vite dans quoi? La sensibilisation. Ouais, parce que Nasser, tu as déjà organisé... Oui, en fait, oui, ça peut être très vite dans le sens... Moi, je parle toujours numérique, informatique, etc. Dans les réseaux sociaux, c'était... Mercredi dernier, il y avait un gars, je ne sais pas d'où il sort, je ne le connaissais pas. Il a envoyé, il a dit, je ne sais pas si tu as vu ça sur les réseaux, il a dit, samedi 12, je ne sais plus quel jour. Vendredi 11. Spéciale. Voilà, vendredi 11, c'est une journée spéciale. On doit tous écrire sur Twitter en Chicomori. Plus personne ne parle. Et on connaît comme tuteur, c'est des Wababoufou. Ils nous ont notifiés, on a été identifiés. On a reçu tous des mails, enfin des mails de nos smartphones, comme quoi, ouais, il y a une journée, on a dit, mais qui c'est, qui fait quoi, nanana. On a vu que c'était tuteur, on a dit, tuteur, eux, ils rigolent pas. C'est l'effet de boule de neige, mais direct, quand ils disent un truc, et ils font, et ça se relaie. On a été notifié, on était obligé de répondre. Donc, j'ai demandé à la personne qui a organisé, j'ai demandé de faire un flyer, et pareil, on a fait l'effet de boule de neige sur Instagram, et ça a pris, et on a vu des retours, mais de partout, ça écrit bien, peu importe l'orthographe, etc. Mais dire le fait que tout le monde a pris le mouvement et a suivi la cadence, ça fait plaisir. Ce jour-là, on a vu des personnes, des influenceurs, des personnes lambda, ils écrivaient Chicomori. Et là, c'était déjà un pas déjà. Donc oui, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite si on utilise les bons moyens, les bonnes méthodes, et qu'on applique ça régulièrement. À un moment donné, les politiciens, ils sont obligés de venir et de dire, bon, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc, je pense que oui, ça va très vite. Aujourd'hui, les choses se multiplient par à la vitesse 10. Et ça intéresse les politiciens parce qu'en fait, quand on ouvre la Journée internationale de la langue maternelle, il y a une partie où il faut faire des discours. Les ministres peuvent venir discourir autour de la langue, le maire, etc. Ils vont venir, ça va les intéresser. C'est une tribune pour eux aussi. C'est pour tout le monde. Même pour le forgeron, tout le monde parle la langue. Et ceux qui parlent la langue ont droit de venir là et de s'exprimer. Et avec la poésie, l'islam, etc., etc., c'est juste de la rose qu'on met dessus pour encore enjoliver. Mais tout le monde a sa place. Je pense que c'est un bon outil, cette histoire de journée internationale pour la sensibilisation. D'accord. Oui, c'est clair. Très bien. On s'y met, monsieur Chamanga. On est partant. En tout cas. Non, on travaille. On va s'y mettre. Là, on a relancé la situation. Je vais essayer de voir. Non, là, on est en plein restructuration de l'association pour la promotion de la langue comorienne. Et donc là, on a pas mal de projets. Là, je serai à Moroni, je ne sais pas quand encore, mais bon, on va vraiment se mettre en place pour essayer de réaliser un peu toutes ces associations-là au niveau de chaque île, justement.
déjà à Moroni et puis en jouant avec avec Irma et votre fille, comment elle s'appelle, votre Idriss, etc., de l'association Archirisha, et puis avec l'appui aussi de certaines ONG comme Nepenthe de Comore ou bien même comme Peace Corps, qui travaille beaucoup sur la langue aussi. Hein. Et à Moëli, là, bon, je suis avec ce gars-là et qui est très bien. Et on pense à faire vraiment pas mal de choses là-dessus, quoi. Donc, il y a beaucoup de projets cette année. Et je pense que, bon, petit à petit, les choses vont peut-être avancer. Maintenant, il faut... Et que, bon, et il semble que, bon, les autorités actuelles, bon, semblent s'intéresser à la question. J'espère que c'est vraiment vrai, quoi. Oui. Bah, surtout que vous avez dit que c'est quelque chose qui prend du temps, quoi. Avant de vraiment... Enfin, 5 ou 6 ans minimum. Il faudrait vraiment qu'ils s'investissent de manière continue pendant 5 ou 6 ans. Oui, ouais, c'est ça. Il faut du temps, quoi, pour préparer quand même tout ce... Effectivement, avec cette histoire des concours, effectivement, bon... Là, par exemple, au niveau de Comédit, on envisage justement de faire des prix, soit de poésie, soit de romans, des trucs comme ça, écrits en comorien, quoi. Voilà. Là, on travaille également sur des textes, sur les informations, et on voit à peu près comment les gens s'expriment. Parce que, bon, c'est quand même, bon, maintenant, de plus en plus, il y a des mots... des mots français ou bien des expressions françaises qui sont utilisées et on commence à dénaturer vraiment la langue comorienne, quoi. Vous allez maintenant aux Comores, vous demandez à un enfant quel âge il a, on lui demande ça en comorien, il répond en comorien en disant « Tu n'as 8 ans ». Au lieu de dire « Tu n'as pas 8 ans », il dit « Tu n'as 8 ans ». Vous voyez, ils ne savent pas compter justement en comorien. Enfin, choses comme ça, c'est des choses... Ouais. Nous avons essayé aussi, entre autres concours, il y a aussi un concours qui consistait chez nous ici à prendre à peu près 5 minutes et de discourir rien qu'en chimore et sans mot français dedans. Ça aussi, ça intéresse les jeunes. Ils s'essayent, c'est un peu difficile, ça fait rigoler, mais... Ça éveille un peu la conscience. Ça, on se rend compte qu'en fait, les mots sont là, mais à force de ne pas en faire usage, ils entrent dans le vocabulaire passif et puis basse. Et donc, là, vous venez encore de pointer du doigt sur un autre type de concours qui peut se faire dans la place publique, d'accord, et qui peut sensibiliser plusieurs personnes, hein. Monsieur Chamanga pourrait être là et se rendre compte que même lui, peut-être, qu'il est plus capable de ça. Mais par contre, je le fais avec beaucoup d'aisance en chimaoré. Avec beaucoup d'aisance. Je parle chimaoré. Mais je me suis beaucoup entraîné. Mais c'est encore un truc qui peut intéresser nos jeunes. Donc, on croit... Ça peut aller vite. Organisons-nous et... on peut aller vite. Voilà. Bah juste pour revenir sur ce que disait M. Chamanga, bon, j'en avais déjà parlé à Nasser, il y avait la radio RTMC Bundeni qui organisait ce type de jeu pour les moins de 25 ans, qui les invitait donc à appeler la radio et à s'exprimer uniquement en shikomori pendant 20 minutes. Au bout des 20 minutes, ils recevaient 20 €, je crois. Mais la majorité des jeunes échouaient. Quand on leur demandait, par exemple, leur âge, justement, ou de l'argent, ils peuvent aussi employer des noms français. Sinon, juste pour parler de leur géniteur, on dit Mahangu au lieu de Mzadehangu. Et donc oui, donc c'est vrai que ça se, je dirais pas que ça se perd, mais de plus en plus, on inclut des mots, étrangers, et comme dit Monsieur Chamanga, ça se dénature de plus en plus. Donc il y a un commentaire de Umair Azir qui nous dit « Je reviens sur le paradoxe évoqué par Fungi Chamanga. On enseigne le chikomore à l'école française. Cela n'a pas été facile pour intégrer car les familles ne voyaient pas l'utilité. » D'accord. Je sais pas si... peut-être que j'ai pas bien compris.
La personne a peut-être envie de nous dire que les familles étaient contre. Ah oui, peut-être. Ouais. Ouais, ouais, les ouais, familles étaient contre. Ils envoient leurs enfants à l'école pour accéder au français et non pour aller accéder à une langue qu'ils parlent à la maison. C'est souvent ce qui revient tout le temps. Mais quand le débat est ouvert, on arrive facilement à leur dire que cela ne va pas contre leur objectif, mais au contraire, c'est une manière d'atteindre rapidement aussi leur objectif, en fait. Parce qu'ils pensent que dans l'école, en fait, aussi. Je n'ai pas entendu, il a intervenu. Ça peut être aussi un outil pédagogique. Oui, oui, bien sûr. Absolument. Ouais. Absolument. Donc, il faut faire comprendre justement ça aux parents, quoi. Mm-hmm. Nous, on a eu, il y a une émission à Mayotte Première qui s'appelle Parano. Nous l'avons beaucoup utilisée et la question revenait et à chaque fois, nous avons répondu. Et maintenant, elle ne revient plus. Les gens ont compris que quand on apprend, quand on va à l'école et qu'on se base aussi sur la langue de la maison pour avancer dans l'apprentissage scolaire, c'est un bon appui aussi. Et c'est surtout un bon appui si les parents maîtrisent bien la langue en question. J'ai envie de dire une connaissance, disons, métalinguistique même de leur langue de départ aussi. Ça aide encore. En tout cas, nos langues sont belles. Notre langue, elle est bien fabriquée. Elle a tous les outils. Et donc, si on peut les connaître, on pourra être fort à l'école. Et donc, il faut qu'on aide la population à connaître cela et à accepter que les enfants entrent à l'école avec leur langue, comme partout ailleurs, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Je voulais revenir un point sur qui est important aussi que je souligne, enfin, que je le passe dans ce live-là, par rapport à OLC. Nos données sont ouvertes au public. C'est-à-dire qu'un lycéen, un développeur, un informaticien, dans le cadre de son travail de manière professionnelle, peut venir sur le site et récupérer les données de manière libre. Il y a des API, les développeurs, les informaticiens, ils connaissent ça. Ils vont dans la rubrique développeur. Il y a des API et il suffit de taper, ils codent et ils vont récupérer les données pour pouvoir fabriquer leur logiciel, leur solution, etc. C'est toujours dans cette optique-là que si on veut, en fait, c'est notre vision plutôt, si on veut que la langue se banalise, il faut impérativement ouvrir les données. C'est-à-dire, nous, certes, on a OLC, on peut faire des recherches dessus, etc. Mais toi, en tant qu'utilisateur, tu peux récupérer ces données et en faire ce que tu veux dans un tableau Excel, dans des formats de programmation, tout ce que tu veux, et tu l'utilises pour faire tes logiciels, tes solutions, etc. Donc, c'était pour savoir ça aux personnes qui vont voir le live, etc., que nos données, le dictionnaire, le lexique, les phrases, etc., sont disponibles, c'est des données ouvertes, et peuvent être récupérées facilement. Voilà. D'accord. Je voulais aussi, puisqu'on est dans l'informatique là, parce que ça fait des années, il fait un temps où j'étais un peu passionné par un logiciel que faisait un prof grec là qui était à l'INALCO, qui avait fait un logiciel de transcription automatique. C'est-à-dire que en se basant sur le berbère, par exemple, sur le berbère, qui a quatre écritures, qui a l'écriture latine, l'écriture arabe, l'écriture tifina et plus je ne sais plus quelle écriture là, qui a quatre écritures. Donc puisque les berbères, tous les berbères ne connaissent pas l'arabe ou bien ne connaissent pas le français. Il suffit d'écrire un texte dans une écriture donnée, dans une langue donnée, pour qu'on ait le même texte, mais écrit dans une autre écriture. Mais c'est le même. Et que ça m'avait fasciné. Et j'avais discuté donc avec ce prof qui était d'accord donc pour faire ce logiciel-là pour le Comorien. Mais évidemment, il demandait une rétribution. Donc, puisque je ne pouvais pas payer, donc je me suis adressé à notre regretté ministre de l'époque, M. Mouzawar Abdallah, qui était ministre de l'Éducation nationale à l'époque, pour voir s'il pouvait financer ce travail-là. C'est-à-dire, puisqu'au Comore, il y a beaucoup de gens qui écrivent en caractère arabe, donc ça serait intéressant que ceux qui écrivent, par exemple, en latin,
bon, on prend ce texte-là écrit en caractère latin et puis mettre dans le logiciel et puis pour avoir le même texte en caractère arabe et vice-versa. Bon, j'étais d'accord, mais évidemment, ça n'a pas abouti. Autre chose aussi, bon, je travaille évidemment sur le texte, sur des textes, et que je vois beaucoup de gens aussi qui s'essaient aussi d'écrire en comorien, mais il nous manque par exemple l'outil en traitement de texte, qui est le correcteur orthographique. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça pour le comorien, en donnant évidemment les règles de la... comme ça, ça pourra faciliter peut-être certaines choses. Là, quand on voit ce qu'on écrit à l'ERTC ou bien dans d'autres médias, vraiment, c'est n'importe quoi, quoi. Parce que les gens ne savent pas couper les mots, ils écrivent avec n'importe comment, et on ne sait plus quoi. Alors qu'avec ça, peut-être que ça peut aider justement à écrire correctement le comment. Et oui, puis, il aussi, faudrait chercher aussi quelqu'un pour faire un outil de césure. Bon, vous savez que quand on écrit des textes, à la fin de la ligne, ça coupe le mot. Bon, là, l'outil qu'on utilise, c'est le français. Évidemment, ça coupe les mots comoriens à la manière française. Or, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce que, bon, en comorien, par exemple, on a une consonne qui a deux lettres, par exemple. Hein, par exemple, T, c'est TR. Donc, si on met ça dans le système de la césure du français, ça met T et plus R après, alors que ça forme une seule consonne. Donc, ça ne va pas. Alors que la règle est très simple, quoi. Donc, je ne sais pas si parmi vous, bien parmi les informaticiens, vous ne pouvez pas concevoir ce genre de produit qui est assez facile, à mon avis. Je ne suis pas informaticien, hein, mais je crois que c'est assez facile. Peut-être se baser sur le Swahili, peut-être ça doit être exécuté en Swahili, peut-être prendre cette base-là pour le faire en comorien, je ne sais pas. Voilà, c'est juste une... C'est facile à faire. Avec ce qui est bien avec l'informatique, avec la programmation, on peut tout faire. C'est ce qu'on se donne, nous, en tant que développeurs, concepteurs, c'est qu'on n'a pas de problème, en fait. On a les solutions. Il faut juste comprendre la grammaire, comprendre les règles, comprendre l'orthographe. Et une fois qu'on a ça, on le code. Donc, c'est pour ça aussi que c'est bien. D'ailleurs, je vais vous souligner, la première version du site qui a été faite en 2008, s'appelait Nonisechi. À l'époque, j'avais pas accès, je ne sais plus si c'était sorti les lettogrammeurs, je ne pense pas. Et puis, OLC s'est créé grâce justement au livre de grammaire. Nous, on avait notre propre grammaire, mais on était assez limité. Il y avait des aspects sur lesquels c'était assez bancal et qu'on ne pouvait pas coder. Derrière, le moteur ne pouvait pas faire ce qu'il fallait. Et lorsque les livres de grammaire sont sortis, on n'avait plus de problème. C'est-à-dire, une fois qu'on a les règles de grammaire, on peut coder. Donc, c'est possible. Il faut juste comprendre la règle du TR, comprendre cette règle-là. Elle est simple, on le code et c'est terminé. Mais après, le problème, c'est le financement, c'est l'argent. Donc, c'est toujours la limite par rapport au développement de solutions comme ça. Mais oui, c'est faisable. Voilà. Je pense que Njeri souhaitait prendre la parole. Maintenant que ça fonctionne, Madame Njeri. Elle en a profité pour disparaître. Allô. Je pense que Jerry maintenant. En fait, je pense qu'il regarde aussi sur YouTube pour nous entendre. En fait. Oui. Pour ça, on entend un écho et donc il y a un décalage. Du coup, bah, on a en attendant peut-être qu'ils réactivent leur caméra et qu'ils s'expriment. Il y a juste un commentaire. Donc, ne serait-il pas aussi un moyen efficace de passer par la technologie mobile pour enseigner. Ah, on va répondre après peut-être. Juste. Hop. Voilà. Merci. J'espère que vous m'entendez. Donc, c'est l'opérateur, effectivement, c'est très intéressant qu'on l'évoque. Parce qu'à Mayotte, on est sur le point où la graphie déjà vient d'être validée. Donc, l'étape suivante, c'est forcément d'accord sur l'orthographe. Et je trouve que cette collaboration vient vraiment au bon moment. Parce que
Nous avons besoin de personnes comme M. Jamal qui ont déjà beaucoup avancé sur cette question. Donc, vous avez déjà publié, vous avez aussi sur Internet avec une orthographe à mon sens, parce que, comme disait M. Jamal, il faut. Ah, vous n'entendez pas? Si, on entend, mais il y a un décalage. Et, mais là, continuez, continuez. Moi, je n'entends pas, moi. C'est ça qu'a dit. Ah oui. Un mot sur deux, ça passe. Peut-être il faudrait qu'il coupe leur auto YouTube et communiquer, nous parler. Il y a un décalage, je pense, qu'on est sur YouTube et le téléphone. Oui, probablement. Ils ferment YouTube. Ils ferment YouTube et nous communiquent. Après, peut-être, ça n'y aura plus le décalage. Il n'y aura plus ce problème de. Tout à l'heure, on vous entendait bien tout à l'heure. Il n'y avait pas YouTube, je pense. Okay, donc, du coup, je continue trop pénible. Ça passe pas bien. Ça passe pas bien. Ça. Peut-être faire le choix de se défaire de YouTube pour nous parler et puis pour nous suivre, vous reprendrez YouTube. Ça passe pas bien. Ok, je vais écrire. Vous écrivez. Ok. D'accord. Bah, de toute manière, on arrive bientôt à la fin du webinaire. Jerry, malheureusement, nous n'avons pas entendu, compris. J'espère que peut-être on aura possibilité d'échanger par écrit et mettre ça en fait soit dans les commentaires ou soit dans la description de la vidéo pour apporter toutes les précisions. Avant de nous quitter, enfin sauf si vous aviez d'autres choses que vous souhaitiez évoquer avant, avant de nous quitter, j'aimerais bien que vous puissiez donner au moins un conseil aux futurs acteurs autour du Shikomori et conseiller une ressource, n'importe laquelle, livre, vidéo, film, podcast, émission, compte sur les réseaux, et puis voilà. Donc, je ne sais pas si peut-être faire dans l'ordre d'arrivée, peut-être avec Nasser d'abord, puis après avec M. Chamanga. Puis... Alors, si je peux donner un conseil aux prochains acteurs du Shikomori, y en a de plus en plus. Parce que les étudiants, les élèves, les personnes qui s'intéressent à la langue, qui veulent contribuer à le développement de la langue, qui n'hésite pas, qui se lance. Et il faut se dire qu'aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut. On a une bonne base, pour développer nos dialectes, nos variétés. Les tournées sont ouvertes de notre part. Donc, les étudiants peuvent récupérer et faire ce qu'ils veulent par rapport à la programmation, au logiciel informatique. On a des livres de grammaire. Enfin, il n'y a aucun motif pour dire que, ouais, on ne peut rien faire parce qu'on n'a rien. C'est faux, on a tout ce qu'il faut pour valoriser notre langue et faire en sorte que ça soit une langue d'enseignement comme notre. Voilà ce qu'il faut dire pour les futurs acteurs. C'est tout est disponible, il faut juste aller les chercher. Voilà. Ok, merci beaucoup Nasser. Et une petite ressource à recommander peut-être Une petite ressource à recommander. Ben, je vais dire, allez-y sur OLC, vous allez cueillir ce que vous voulez. Voilà. Ok. je vais mettre le lien là, juste en dessous. D'accord, monsieur Chamanga. Moi, je voudrais surtout insister sur le. Plutôt inviter justement les journalistes, les animateurs justement de web. TV, des choses comme ça, qui écrivent quand même des choses, qui s'intéressent quand même à l'orthographe du comorien. Il ne faut pas qu'ils écrivent un peu n'importe comment. Il y a des règles là-dessus, il y a des livres là-dessus, il y a pas mal de publications là-dessus qui essaient quand même de s'intéresser un peu à la langue.
J'étais étonné, une fois, il y avait un concours de, je sais pas, de slameurs à Moroni pour défendre la langue comorienne, mais la manière dont c'était écrit, c'était assez... parce qu'ils ne cherchent même pas à savoir comment il faut écrire les choses. Alors que, bon, il y a quand même un minimum de choses qu'il faudrait savoir justement pour pouvoir bien écrire le comorien. Ben, sur les publications, ben, j'inviterai surtout les gens à consulter le site Comédite. Il y a pas mal de livres sur la langue. Bon, là, je suis en train de développer aussi un site consacré uniquement aux livres comoriens, mais bon, c'est pas encore, bon, je ne l'ai pas encore officialisé, mais c'est presque fait. Ben, tout ce qui paraît donc en chicomore, donc c'est là-dedans, quoi. Ça s'appelle chamsinamoise.com. Donc, on peut voir ces deux sites-là. On peut le voir. Bon, on ne peut pas encore commander des choses là-dessus, mais sur le site Comédite, il y a pas mal de choses. Il y a des livres, il y a des traductions, par exemple, du français ou bien de l'arabe fait en comorien ou inversement. Il y a des choses qui sont vraiment intéressantes qu'on peut avoir, quoi, qu'on peut commander, quoi. Mais surtout que les journalistes et tout ça s'intéressent quand même à l'orthographe, à la manière d'écrire le comorien. Voilà. D'accord. Merci. Monsieur Rastami, oui, c'est ça, exact. D'abord, remercier ceux qui ont organisé cette première rencontre. Content, en tant que président de l'association Chimé, de participer. Content d'avoir rencontré de nouveau Monsieur Chamanga et notre jeune infographiste Saad. J'avais envie de dire que c'est quelque part une honte pour nous de nous retrouver ici autour de la langue, celle qui nous appartient, qui est à nous, et de passer plus de 2 heures de temps à échanger autour de notre langue, mais en nous appuyant sur une langue qui n'est pas la nôtre. Je n'ai pas trop bien aimé cela. Et donc, je conseillerais à tout un chacun de s'adonner à cette langue, à sa variété, que ce soit le chinois, le chinois, le shingazija, pour que nous soyons tous excellents en notre propre langue et que pour nous ressourcer, nous avons encore dans nos différentes îles, et dans nos différents villages des gens qui sont bons à ces langues. Allons les voir, discutons avec eux et commençons à écrire, commençons à nous organiser pour que ou Hachirisha ou Andrisi. Merhaba. Donc on va laisser la parole au reste des membres de l'équipe de Chimé. Je vais doucement se retirer du salon, en espérant que ça ira bien pour Hassani Fatma et Jerry Brandon. Enfin, j'ai reçu même un commentaire qui disait que c'était dommage parce qu'elle avait l'air d'avoir des choses importantes à dire. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas pu entendre. Je vais doucement vous retirer du live pour laisser nos derniers intervenants s'exprimer. Merci. Donc, Madame Hassani Fatma, si vous avez... Ah, bon, elle est partie. Bon, il reste que Jérémy. On va enlever le micro. Hop. Est-ce que c'est mieux maintenant? On n'entend pas du tout. Il faut mettre 6 milliards, tu vois. Si, on vous entend très bien. Je ne l'entends pas ici, pas ici. On ne peut pas entendre. Il entend. Ah là, c'est pénible. Ne rentre pas, je suis ici, là. Et sur le téléphone. On vous entend. On n'entend aucun. Si, on vous entend, mais
faut couper YouTube en fait, il y a des échos. C'est une catastrophe. Hein, ça. Il ne faut pas que tu mettes tout ça en ça. Ça, j'enlève là, voilà. J'enlève le StreamYard. Ah, j'ai mis StreamYard plutôt, non? Le StreamYard, je l'ai ici. Bon, mets le son. Madame Hassani Fatma, peut-être que vous avez quelques mots à dire. Ben, en attendant que ça fonctionne, vous m'entendez? Oui, j'entends. Ouais, on entend. J'y vais alors parce que... Oui, ben moi, je voulais juste mettre l'accent sur peut-être les échanges de pratiques parce que on voit après, à travers tous les échanges, qu'il y a des choses qui fonctionnent plutôt bien chez nous. Justement, quand on parlait de sensibilisation et du fait qu'on utilise beaucoup les journées internationales des langues maternelles pour pouvoir éveiller aux langues maternelles. Et du coup, il y a aussi le terrain. Hein, c'est, les langues vont de pair avec la culture. Et je pense que c'est une ressource très importante qui peut aussi appuyer aux langues, à l'apprentissage aux langues, à l'intérêt des langues. Et c'est temps de pouvoir travailler dans ces axes-là. Et donc, oui, il y a des choses qui fonctionnent plutôt bien chez nous. Il y a des choses qui fonctionnent aussi plutôt bien de votre côté. Et du coup, oui, pourquoi pas travailler aussi sur avoir des axes de travail dans ce sens-là. Voilà, hein, échange de pratiques. D'accord. Merci pour cette conclusion. Et en effet, oui, c'est vrai que, étant donné que, par exemple, l'association Chimé est en place depuis un certain moment, qu'elle est habituée, disons, à militer pour que le Shimaoré et Shikibushi soient valorisés et reconnus. Enfin, oui, échanger, prendre de chez vous, ou, par exemple, avec les travaux que font M. Chamanga, M. Nasser. Enfin, cet échange ne peut être que bénéfique. Tout à fait. Voilà. Merci. Ok. Bah, juste avant de partir, peut-être que vous avez quand même une ressource à recommander. Vous avez donné un conseil. Vous avez peut-être une ressource à recommander, un livre, quelque chose. Non. Non. Pour le moment. D'accord. Ok. Comment? Je disais, ça serait la graphie, mais publiée. D'accord. Ok. Très bien. Merci beaucoup, Madame Hassani Fatma. On va essayer d'entendre Madame Jerry Brandon, pardon. Donc, il faut bien veiller à couper le YouTube derrière. Et après, vous exprimer sans problème. Ok, on coupe le YouTube complètement. Il nous voit là. Donc, ça marche mieux, là? Ok. Très bien. Ok. Merci beaucoup pour cette initiative et j'espère que ce n'est que le début. J'allais parler de l'orthographe, mais je pense que peut-être la prochaine web conférence peut être dédiée à parce que c'est vraiment d'actualité à Mayotte, parce que même au sein de Chimé, on n'est pas encore d'accord sur certains points et nous avons vraiment besoin de spécialistes, de personnes qui sont déjà dedans pour nous épauler là-dessus. Donc, merci vraiment beaucoup et espérons que les échanges se passeront mieux la prochaine fois de notre côté. Concernant les ouvrages, il y a le livre qui vient de sortir de Ali Amir. Donc, il y a un livre de poésie donc, qui est édité, je ne sais plus quel éditeur, mais qu'on trouve, je pense, facilement à Mayotte et à la métropole. Et sans doute aux Comores aussi. Voilà. Donc, j'espère à bientôt, dans de meilleures conditions de son et d'image. Merci beaucoup.
Bah, merci beaucoup à vous. En effet, oui, bah, j'espère qu'on se reverra dans de meilleures conditions de son et d'image. Merci aussi pour la ressource et bah, tous les conseils que vous me donnez. Pour le coup, je vais conclure. Donc, pourquoi avoir réalisé cet état des lieux? Bah, cela part d'un constat, hein. La majorité des gens n'avaient pas la même soif s'enrichir de nos langues ça peut être le cas avec le français ou l'anglais, peut-être à cause d'un soft power faible. Pourtant, valoriser le shikomori, comme on l'a vu, permettrait probablement aux populations de s'émanciper sur plusieurs niveaux et aussi de s'impliquer mieux au niveau social et politique. Donc le but de cet atelier, c'était de dresser un panorama, de faire une photo à un instant T et ensuite peut-être parler des futurs qui sont idéaux et de voir quel est le reste à faire. Donc, comme on a vu avec Monsieur Chamanga, Monsieur Rastami, Monsieur Banasser, et enfin, je pense que les premières actions, ça va surtout être de la sensibilisation, peut-être organiser prochainement des journées, participer aux journées déjà organisées, et puis peut-être organiser conjointement des journées internationales autour de la langue. Donc voilà. Mais en tout cas, enfin, pour ceux qui nous ont suivis, j'espère qu'à partir de tout ça, vous avez une vision un peu plus affûtée pour les prochaines étapes à suivre. Pour que nos langues aient une identité forte et solide, donc on peut utiliser la technologie pour valoriser et peut-être doucement faire évoluer pour qu'elles deviennent et ou restent des langues fonctionnelles et usitées. Et donc cela commence par figer une écriture commune et communiquer dans la dite langue dès que c'est possible. Donc voilà, donc là il faut pas oublier qu'on est sur un... enfin que le chemin est plus important que la cible en fait. Donc, on est sur un chemin. La cible est difficile à définir, elle est mouvante et compliquée. Par conséquent, parlons-nous, essayons d'agir, d'avancer, de faire des débats, et surtout prenons du plaisir là-dedans, en fait. Trouvons du plaisir dans ces actions. Et donc voilà. Humblement, moi, je donne un conseil que j'appliquerai moi-même. Donc, achetons des livres qui nous permettent de lire, écrire et comprendre le shikomori. Si on a un média qui a de la visibilité et qu'on écrit en shikomori, prière de se référer à l'orthographe qui est déjà en place pour bien écrire. Donc adhérons aux différentes associations comme Shime qui promeuvent et défendent nos langues. Je suis convaincu que adhérer, grossir leur rang, peut-être aussi participer financièrement, peut-être une bonne chose. Pareil du côté de OROLC et pareil du côté de la maison d'édition comme Edit. Et supportez vos langues. Et donc je terminerai par les remerciements, donc de longs remerciements, sinon ça sera pas des remerciements comme rien. Donc je vais remercier déjà dans un premier temps Sarah Ahmed pour l'écriture de sa note sur la réforme de l'éducation aux Comores. Donc c'est vraiment mon point de départ pour l'organisation de ce webinaire. Donc n'hésitez pas à aller la lire très très vite si vous voulez comprendre un peu le cheminement qui a été fait. Je remercie aussi Mouezi pour les affiches. Elle s'est occupée des affiches pour ce webinaire et aussi des webinaires précédents. Enfin, on travaille beaucoup avec elle. Elle fait quelques formations. Elle a fait des montages vidéo pour nous. Merci à Oussam, MakouaBH sur Twitter pour les contacts. Daniel, Ikma, Ouda, Hazard pour leur soutien. Le professeur, l'équipe, Idi. Donc tous nos auditeurs et spectateurs et bien sûr les intervenants, hein, Monsieur Chamanga, Nasser, Jerry et Jean-Philippe, Spelo Rastami et bien sûr Fatma Hassani. Donc voilà, merci et à bientôt j'espère. Au revoir.